Hello guys, non pas c'est Jean-Yves Messou comme vous connaissez déjà et au sous channel moi. Je dis à nous voir un bagage qui vraiment important côté nous parler apprendre ensemble HTML qui c'est un langage qui des bases de programmation. Donc pour qui ça HTML là, juste avant que me parler de ça, d'aimer faire un bref résumé de qui ça une page web bien. Une page web par exemple si nous t'as monté sur Google, nous allé sur Amazon qui c'est Amazon et www.amazon.com. Ça n'a regardé là c'est une page web. Une page web il y a deux parties là-dedans. Il y a une partie qui est le front-end et il y a une partie qui est le back-end. Qui ça qui différence qui gagne entre deux? Par exemple, par exemple sur Amazon là, tout ça qui m'a regardé là, tout ça m'a regardé là, toutes photos ça, toutes écritures ça, il y a aussi front-end. C'est ça me capable voir avec GPAM, OK? Mais qu'on y a, qui s'est passé, si m'ta allé là, côté qui m'a fait sign in, et puis, les m'ouvre sous sign in, non, m'en fait, m'en mette email, m'en fait continuer, et puis après ça, m'en mette password, m'en, et puis m'en fait sign in. L'en fait sign in, regardez qui, gon bagay qui fait là, m'en sign in sous page là, mais m'en parle rien, sauf que, les redirectionnés dans l'autre page, sans que m'en parle qui s'est fait, email ça qui mette là, password ça qui mette là, m'en parle qui s'est offert avec. Donc, parti ça c'est lié les backend na programmation. Si par exemple nous t'aller sur YouTube, par exemple les m'a regarder une vidéo, si m'ta cliquer sur une vidéo par exemple, t'a monter sur page moyen, m'ta aller sur page moyen là, OK, m'ta monter sur une vidéo par exemple, m'a aller sur m'ta cliquer sur une vidéo, et puis imaginez que vidéo ça pendant que m'sou li là, l'empêcher sur bouton là like là, par exemple vidéo ça m'te like déjà, si m'empêcher sur bouton dislike là, moi pas like vidéo, mais qui s'est passé moi que immédiatement que me dislike vidéo c'est que ça que me gagne là li descend parce que si me like li kounya n'a regarder moi gagne 6 mais moi pas qui s'est fait pas derrière l'aime like vidéo ça que moi ouais que icône dans li changer et puis li augmenter quantité like qui te gagne mais moi pas qui s'est fait derrière. Donc gros travail qui fait pas derrière qui est des backend et gagne différents types de langage pour faire flonner avec backend. Par exemple, si ma fait flonden, j'ai un pile langage qui me capable utiliser. Par exemple, j'ai HTML, j'ai CSS, j'ai JavaScript avec mon pile l'autre langage encore. Et par exemple, les va faire backend, j'ai un ensemble de langages qu'on capable utiliser tout comme par exemple, nous j'ai Python, nous j'ai Java, nous j'ai après ça nous j'ai PHP. Ce sont des langages qui vraiment commun le va faire backend là une page web. Donc après introduction ça me d'avoir dit que HTML lui-même c'est langage clé pour faire page web. Pour ça me dit c'est langage clé parce que pour faire page web ou doit commencer par HTML parce que qui ça le permet que vous fait HTML là il permet que vous mettez tout texte que vous avez besoin, tout ça que vous avez besoin comme écriture pour faire front-end là, faut que vous commencez avec HTML. Donc HTML c'est base et programmation web. Donc je dis à nous parler comment capable construire page web avec HTML en façon qui est très rapide et très facile. Donc c'est ça nous allons ensemble à nous suivre ensemble avec moi. Pour nous commencer, normalement les gens qui ont fait programmation web, ils ont utilisé un éditeur de texte. OK? Donc éditeur de texte ça lui permet que ou écrit code en façon qui plus rapide et les aider compléter leur écrit. Mais tout en conseillant leur commencer ou commencer la façon qui plus basique là. Pour commencer, mais ça n'a fait. Nous allons aller dans la machine noire, ou capable d'ouvrir bloc de notes. Bloc de notes que vous avez là, la machine noire va ouvrir. Sous le pantalon, l'écran, vous avez là, qui c'est l'image de notre pad là, ou capable à la recherche là, ou t'as marqué bloc, sous la commencer marqué bloc, après il paraît là, et puis vous avez juste ouvrir. Immédiatement que vous ouvrez, l'appareil avec une page blanche comme ça pour capable commencer à écrire. Nous allons conserver et fichier ça qui est notre travail là, après il marqué sans titre, nous allons aller dans le code marqué et archive là et puis n'a fait conserver n'a save li et puis nous va le balayer nom non ça qui n'a balayer a faut qu'il termine par .html par exemple n'a pris index.html après ça m'a expliquer nous pour ça mettre index.html OK et puis l'on fini mettre .html là ou faire conserver ou choisir que toi conserver là capable n'a pas mettre là desktop machine moi OK m'a fait conserver. Si vous avez montré dans desktop machine moyen, n'a pas entré sur lui, dans l'instructeur, dans le desktop, là, n'a pas dit là, moi, gain là,
Ouais, moi j'ai la index.html, mais quand il parle avec mon petit icône Chrome sur lui. Si je fais double clic sur lui, je fais double clic sur lui, je pèse sur lui deux fois. Je regarde immédiatement, je pèse sur lui deux fois, il ouvre la Chrome, la machine, le la navigateur machine pour me capable. Si je regarde, c'est une page qui paraît tout de blanc qui n'a rien là-dedans. Ok? Nous allons travailler ensemble. Nous allons ouvrir deux fenêtres ça ensemble pour capable qui ça qui me va faire là. OK, immédiatement j'ai défini ça ensemble. Regardez là, la bloc de nota, moi j'ai titre là qui marqué index.html. Regardez qui ça me va faire pour. On t'apparaît là, on t'a écrit hello guys par exemple. On va mettre hello guys, on a pour qui ça va le faire. L'aime fin faire hello guys ça, m'a là m'a fait conserver, m'a pour le dali, conserver et puis on t'a pas refresh la et navigateur. Regardez, immédiatement mais ça m'écrit là, c'est lui qui paraît là. OK? Si je écris un pile de bagages, je vais bla 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 et puis je conserve. Ok? Je conserve. Si je refresh là, je regarde tout ça qui m'écrit là, c'est eux-mêmes qui paraît là. Donc, HTML là, c'est ça lié. C'est un ensemble de textes qu'on écrit pour capable de faire une page web ou une structure. Et puis après ça, il y a l'autre langage qu'on utilise pour faire un style qui est stylé. Ok? Pour capable mettre couleur là dedans pour capable balle toute forme que vous voulez mais HTML là pour faire structure page web en façon qui très rapide et très facile. J'aime bien dire avant l'on va faire une page web ou pas vraiment utiliser un bloc de notes mais si par exemple là on t'apparaît on va mettre un tag parce que l'on va faire HTML il utilise ça les tag qui ça qui un tag par exemple si me fait H1 et puis on va mettre hello guys, par exemple, ça me dit qu'il y a là, nous parlons comment il va apparaître. Et puis, je fais mes tags là, ok, H1. Si je conserve là, et puis je refresh là, je regarde H1 ça comment il apparaît. Il apparaît avec une lettre qui est pigou. Donc, HTML, il utilise tag. Tag là, c'est un ensemble d'étiquettes qui ont gagné. Là, étiquette ça, il est H1. Il y a un ensemble d'étiquettes que nous parlons ensemble dans HTML qui ont fait un peu de bagage. H1 ça, il gagne, il arrive là, 6 tout. On va mettre un H2, un H3. Par exemple, si on a changé H1 ça, et puis mettre H2 là, on va voir qui ça apparaît. On mettre H2, et puis on apparaît là, on mettre H3. On va voir chaque palpe apparaît avec un grosseur qui est différent. Si on a conservé, on va aller là, on va servir, et puis on fait un refresh, on va regarder chaque palpe avec un grosseur qui est différent. Donc, HTML, c'est ça. Mais, je ne vais pas continuer à travailler avec bloc de notes parce que de nos jours, il y a plus utilisé un éditeur de texte qui permet que vous travaillez plus bien et plus facile et plus rapide. Donc, nous parlons ouais, ensemble des options qui gagnent pour nous capables d'utiliser un éditeur de texte pour nous programmer dans HTML. On a fermé ça, qui est utilisé là déjà, et puis nous avons monté. Généralement, nous avons ensemble des éditeurs de texte pour nous capables d'utiliser. Par exemple, il y a Studio Code, il y a le Sublime Text, il y a ensemble, ok? Il y a les Atom. Mais généralement, ou après, la majorité de monde utilise Studio et Studio Code. Comment on fait pour être capable de télécharger? Par exemple, si je parle là, je vois une fenêtre, j'ai écrit Visual Studio Code, ok? Immédiatement, je clique sur lui, nous allons voir la page là. Par exemple, deuxième page ça là, mais pas vous inquiétez parce que m'a quitté le lien dans la description vidéo pour capable télécharger bien rapide et bien facile. Si vous regardez les montées sur page ça là, moi gagne là un code qui marqué download for Windows. Immédiatement monter sur lui, il a détecté qui système opératif que gagne et puis il a téléchargé ça qui correspond avec là. Les gars détecté que c'est Windows, moi gagne il dit download for Windows. Immédiatement cliquer sur download là, OK? Je vais immédiatement cliquer sur download. Je vais commencer à côté là. Si c'est Windows, je vais à côté là. Je commencer download Windows Visual Studio, qui est l'éditeur de texte que nous allons utiliser. Immédiatement, il fini. Je fais clic sur lui. Immédiatement, je fais clic sur lui. Il va ouvrir une fenêtre. Là, je vais premièrement pour avoir accès pour l'application capable de télécharger. Ok? Je vais regarder là. Côté qui marque accepter et toute licence que vous avez. N'a coché ça qui m'a été accepté. N'a pas accepté tout ça qui est digne et puis n'a fait suivant. Qui m'a été signé là, n'a fait suivant. Et puis on fait suivant. Parce que mon gars, m'a téléchargé déjà. Et puis le film fait suivant. Après, code qui m'a été installé. Immédiatement, quand fin installé, on a gagné la machine pour pouvoir utiliser. La capable, moi, gagné déjà, je ne peux pas installer.
mais on va venir peser sur installer et puis on va gagner disponible sur laptop pour capable travailler. Donc c'est éditeur de texte ça qui nous va l'utiliser pour nous capable suivre quoi ensemble avec moi. M'a prendre c'est la ligne parce que moi gagne déjà. Immédiatement que on fini, OK, immédiatement que on fini, soit aller là, soit pas jeune là desktop machine ou soit cliquer sur ce petit bas qui en bas là, la barre de recherche là qui là. OK, ou t'as marqué studio code par exemple studio. Après de là, immédiatement commencer écrire, il paraît là. N'a cliquer sur lui, n'a pas ouvrir. OK, immédiatement que ouvrir lui, n'a capable de un projet qui ouvert déjà, m'a fermé. Ou alors une page comme ça qui marqué welcome. C'est pas ça, c'est comme ça après elle paraît le fait ouvrir éditeur de texte ça. OK, immédiatement qu'on gagne la kounya, qui ça nous va faire? Nous allons créer un dossier à part la machine noire pour nous capables de travailler durant tout le cours. C'est ça que nous allons faire avant. Nous allons tourner, nous allons fermer et minimiser. Nous allons tourner là, nous allons aller dans la desktop machine noire là. Nous allons créer un nouveau dossier. Nous allons cliquer là et puis nous allons apprendre HTML 2020. Nous allons capables de le job et puis nous allons conserver. Et puis immédiatement que nous gagnons là, je vais montrer qui ça va faire. Je vais mettre tous les dessins à côté. Et puis, je vais venir prendre ça là. Je vais prendre ça là. Et puis, je vais traîner, je vais mettre ma lagel là. Immédiatement, je vais mettre la lagel là pour ouvrir sur Visual Studio Code. Ok? Je vais voir ce qui s'est passé. Immédiatement, je vais traîner là. Je vais gagner le temps d'ouvrir le bon. L'autre option qu'on est capable de faire, si vous faites clic sur celui là, ou après une option qui marque ouvrir avec code. Donc, immédiatement, pour ouvrir là, l'appareil là. Ça, c'est plusieurs façons qu'on capable ouvrir. Mais si pendant que vous sur application, n'a pas le code qui marque file là, sous cliquez sur le code qui marque open folder. Sous cliquez sur open folder, immédiatement que vous cliquez sur lui et pour apparaître là, vous sélectionnez folder que vous voulez utiliser. Par exemple, la campagne c'était apprendre HTML 2020. N'a pas cliquez sur lui et puis nous fait sélectionner et dossier. Immédiatement que vous faites ça là, ouvrez là pour avoir accès pour faire tout ça. Donc, immédiatement que nous finissons de mettre le dossier là, nous allons commencer à travailler HTML là, ensemble avec moi. Première chose qu'on a fait, nous allons créer une file pour nous capables de travailler. Nous avons un petit icône là, qui est plus celui qui marque New File. Ok? Nous allons cliquer sur lui, et puis nous allons créer une New File, nous allons créer index.html. Pour ça, nous souvent mettre index, parce que index là, c'est un nom qui commet. Par exemple, de bois faire une page web ou à obligé de gagner une file qui est index.html. Mais on est capable de mettre sauve, on est capable de mettre première page, deuxième page, on mettre sauve. Mais un nom qui commet, qui est utilisé, qui est standard, c'est index.html. Et puis on a fait enter. Ok, immédiatement que vous faites enter, on a regardé là, il ouvre une page pour moi. Ok, il ouvre une page pour moi qui est en blanche. N'a pas de page ça qui l'ouvre en blanche ça là, li pa gen rien là-dedans. Si par exemple page ça, on ta tourner côté m'dé avant, on ta monter sur côté m'dé qui créer dossier là, on ta monter sur lui. N'a regarder là, si m'aller là desktop machine là, m'aller là HTML 2020 après HTML. N'a regarder là, moi gen li disponible là. Si on ta fait on ka cliquer sur lui deux fois, il va ouvrir le bon. N'a regarder là, immédiatement fait ça, il ouvre une page en blanche. On va mettre deux fenêtres ça en parallèle pour capable travailler puis bien pour capable voir qui ça fait la pibie. OK, l'œuvre dans studio et dans l'éditeur de texte ça, n'a pas des bacs ça qui là moi capable fermer parce que moi pas le travail là pour connia. Sous baiser contrôle B, n'après il fermer. OK, sous baiser contrôle B encore là ouvrir parce que c'est là capable créer dossier ou capable créer un nouveau fichier. Connait là, nous pas commencer travail bien pour capable connait qui ça HTML. Immédiatement que nous venons pas ça, on est capable commencer écrire code, on est capable commencer écrire un tag par exemple, on va mettre H1 et puis on commencer écrire bonjour par exemple. Si on ta conserver ça là, on baiser contrôl S pour me conserver ou bien m'a barre là code qui marqué file là et puis marqué save, on conserver et puis si me refresh là, baiser petit bouton ça ou bien baiser F5, la refresh là, regardez là moi gagne bonjour. Mais li pas possible, li possible mais HTML li gen structure pour suivre. OK, parce que HTML li gen ensemble des étiquettes, des tags qui peuvent être ou faire bagaille en façon qui plus ordonnée pour capable suivre règles et langage là. OK, premier bagage on a besoin faut que nous indiquer
qui type de document que nous parlons écrit dans PAESA. C'est avec une étiquette dans HTML qui c'est doc type. Pour nous écrire, nous faisons comme ça. Nous avons un petit symbole. Ça. Si nous avons immédiatement que commencé à écrire, les bons, nous sommes capables de compléter. Mais pour écrire, ça ne va pas avoir une extension. Ça. Nous avons un point d'interrogation. Nous avons un doc type. Je vais l'écrire là, en majuscule. Ok? Et puis, nous avons mis HTML d'elle. Le film est doc type là, et puis nous avons mis HTML. Qui ça, ça veut dire? Nous voulons dire que le document ça qui est là, c'est un type HTML, c'est un document HTML qui vient. Si nous avons conservé là, nous avons CTRL S et puis nous avons refresh là, nous n'avons pas gagné en 1. Ok? Et puis, deuxième étiquette que nous avons écrit qui est vraiment important, nous avons écrit c'est étiquette HTML là, qui c'est comme dans le papa toute étiquette. Ok, parce que HTML, comme il y a une étiquette qui se frais avec une autre étiquette, une autre étiquette qui se papa. Ok? Par exemple, HTML là, c'est une étiquette qui se papa toute l'autre étiquette. N'a pas fait sim et figure ça avec, n'a pas HTML. Ok? Et puis, n'a fait là. Et puis, n'a ouvert le fermel. Étiquette, yo presque même genre. Vraiment, ouvrez l'étiquette là, j'en lié là, vous mettez entre deux symboles ça, et majeur et inférieur avec supérieur là, et vous mettez une étiquette là, la case c'est HTML, et puis vous fermez le même genre, mais vous ajoutez Tibasa qui est le chiffre 7 là, dans le clavier machine. Donc, premièrement là, vous avez déjà gagné une étiquette HTML qui c'est papa toute l'autre étiquette. Ok? L'autre bagage que nous parlons, étiquette HTML ça, il permet que vous mettez langue que vous parlez écrit par joie. Et comment on peut ajouter ça? Si nous prenons là, à côté de ça, là, nous faisons espace et puis nous pouvons mettre langue, L-A-N-G, et puis nous faisons égal et puis nous mettons des guillemets. Et puis en dedans, ça vous dit quelle langue vous parlez mettre, vous parlez écrit par joie. Mais comment on peut mettre langue ça? Langue ça, vous pouvez mettre des lettres seulement. Si c'est espagnol, vous pouvez mettre ES, là, me dit que langue, et que mal idéal c'est espagnol, si c'est anglais, on va mettre EN. Ok? Même conseil, on quitte ça dépend de langue qui pays où il y a, on souvent quitte en anglais. On mette EN, on indique que la langue que vous allez utiliser, la langue ça, la et document ça, c'est anglais. Et vous pouvez conserver. Si nous conservons après que nous n'avons pas gagné un qui fait. Ok? Qu'on a deuxième élément que nous allons voir, l'HTML là, parce que HTML là, il y a deux parties. Il y a head là qui c'est tête là et puis après ça il y a quoi qui c'est body, c'est des tickets qui est indispensable avec HTML. Head là on avait dit comme ça, c'est même genre ouvre head, ok, ou fermer et puis on fait il y a une étiquette head là qui ouvre qui ferme et puis par en bas en dehors de head là on mettait body. Ok, donc ça me donne d'aller là, si n'abdale là, moi gagne trois étiquettes HTML qui c'est papa toute étiquette yo, et puis nous gagne head avec body. Ne parle de papa avec frère, par exemple étiquette HTML là, il gagne pour petite étiquette head là avec body. Qui ça fait ça? Parce que soit regarder yo en dans HTML là, des étiquettes ça yo en dans HTML, donc HTML là c'est petit papa yo, et yo même yo c'est petit yo. Ok? Mais quand y a la body avec head, qui ça oui, yo c'est frère, qui ça fait aussi frère parce que yo la même niveau. Ça détail ça n'est pas vraiment important, mais c'est pour comprendre comment li former étiquette yo. Parce que le pral sélectionner pour faire CSS, ou après gagne étiquette qui supérieur qui inférieur à l'autre, OK? Donc des étiquettes ça yo la même niveau, donc yo c'est frère. Si on regarde étiquette HTML là, li plus que yo, donc li c'est papa yo. OK? Nous va voir qu'on y a la head là, la étiquette head là qui sont capables de mettre en dedans. OK, étiquette head là li servir pour un pile bagaille. Nous voilà premier élément qu'on va mettre dans étiquette head là, c'est pour capable dire qui type de caractère qu'on va utiliser là et document ça. Pour faire ça, on a écrit une étiquette qui est meta, on va mettre meta. OK, et pour faire espace, immédiatement faire espace que nous on va mettre child set. Child set là il permet que vous mettez quel type de caractère que vous allez utiliser. Et puis, caractère qui vont utiliser, il y a plusieurs, il y a infinité. Donc, soit mettez ou TF, et puis guillon, et vous mettez 8. Donc là, vous mettez quel type de caractère que vous allez utiliser dans l'engagement. Soit regardez là, si vous avez conservé, et puis vous avez refresh là, pas rien. Parce que tout ça m'a fait là,
c'est l'enchaîne là, pas gagné qui apparaît dans le bordier. Parce que tout ça qui est en blanche là, ça c'est bordier, pas gagné qui apparaît. Immédiat, toute fois que je vais écrire dans le bordier là, pas gagné qui apparaît. Parce que l'enchaîne là, c'est structuré, c'est tout ça que les gens ne peuvent pas. Deuxième étiquette que nous allons mettre, c'est type page là. Si nous regardons là, qui titre qui va être là, nous allons regarder les marqués index HTML. Dans la partie ça, la côté nous est sous-gaye là, les marqués index HTML. Mais chaque page, il y a un titre qui est par là. Si nous avons là, nous mettons une étiquette qui est le title, qui signifie titre, nous avons un title, nous avons ouvert comme ça, nous mettons titre, title, et nous avons fermé. Ok? Et nous avons fermé là. Nous avons là, nous avons une étiquette title. Ça me permet de mettre un là, c'est lui qui parle type page. Mais si nous avons mis GHM Meso, technologie par exemple, et puis nous avons conservé, nous avons mis ça en autre façon, nous avons conservé ça là, et puis nous avons refresh page. Mais si nous regardons là, ça qui peut être là, il y a marqué GHM Meso, technologie. Donc tout ça qui me mettait là, c'est lui qui va apparaître. Je vais mettre ça en majuscule, GHM. Ok, ça que je mette là en dedans étiquette pas et titre ça là c'est l'équivalent pareil en l'air là. Si nous regardons bien GHM technologie Meso. Donc on passe des étiquettes ça aussi qui principal dans head là. Ok, puis devant voir les autres étiquettes qu'on capable ajouter dans head là. Mais pour le moment on a prêté avec des ça là parce que c'est au qui principal. Qu'on a nous voir les lan body à pour nous voir qui étiquette qu'on capable mettre lan body à pour nous capable continuer quoi. J'aime dire dit avant l'embody a toute sorte qui mettait l'embody a c'est ça qui va apparaître dans page ça là. En nous parce que j'aime dire dit avant HTML c'est étiquette qui fait là c'est il y a ensemble étiquette. OK? En nous on ensemble d'étiquettes qu'on capable utiliser dans HTML pour capable bail page ou structure. En nous ça qui est pour capable mettre un titre. Si nous mettez un titre on capable utiliser une étiquette qui c'est H. Et à ça, il y a plusieurs niveaux. Il y a 1 à 6. 1, c'est le plus gros. Si nous mettons H1 là, et puis nous fermons ça là, ok? Si nous mettons Hello guys, par exemple, nous allons regarder H1 ça là, il va apparaître. Si nous refresh ça là, nous allons regarder H1 ça là, il va apparaître avec un grosseur qui est bien gros là. Donc, ça c'est une première étiquette qui nous est, c'est H1. Ok? Il va être qu'on mette un titre. Mais H1 il arrive jusqu'à 6. Ça dépend de qui grosseur vous voulez mettre. Là, si nous copie 6 fois là, ok, si ma copie, nous sélectionner tout là, et puis me fait clic sur lui, et puis me fait m'aller dans copie. Ou bien, je sélectionner comme ça, me fait CTRL C. Immédiatement, je fais CTRL C, je suis capable de faire CTRL V pour capable copier. Ok, je copie 6 fois par exemple pour capable ouais. Si là, je change H1, je mets H2, pas bien, le changer à H2 là, il faut que vous allez pas derrière là, tout pour changer. Ok, je mets H3. Là, on met H4, là, on met H7, là, on met H6. Donc, l'arrivée jusqu'à 6. Si je conserve, là, je fais CTRL S et puis là, je refresh, je regarde, il y a chaque paret avec un grosseur qui est différent. Ça dépend de qui j'ai, qui grosseur, qui ouvre les titres ou pour capable d'utiliser une HE pour capable faire. Ok? Avant de continuer, il y a une bagaille qui nous parle, qui est essentielle dans la programmation, c'est comment capable faire un commentaire. Qui ça un commentaire? Un commentaire, c'est une ligne de code qui peut l'homme mettre là, lui permet que ou est qui sont faits. Vous pouvez capable mettre une description de son fait, mais qui peut paraître dans la page. Mwen. Si là, par exemple, je dis, je vais mettre un commentaire pour me dire que ça c'est titre. Je dis, ça c'est façon pour mettre titre. Ok? Si je conserve ça là, je refresh la page. Mwen. Si je regarde là, il paraît. Or, moi, pas ta ville, peut être, c'est, je voulais juste quitter ça comme un commentaire pour moi qui ça m'a fait là. Ok? Comment je suis capable de commenter? Dans HTML, si tu es capable de paraître là, ou peser CTRL K, ou mettre sur la ligne que vous voulez commenter, et vous faire CTRL K, regardez comment il commente. Ok? Ou bien, souvent, il fait comme ça, ou quand vous voulez écrire, ou mettre petit signe ça, et vous mettre point d'interrogation, et vous mettre tiré, tiré. Et puis, par derrière, là, vous mettez tirer, tirer et vous fermez. Vous fermez ici. Regardez là, moi déjà, j'ai un commentaire. Si nous avons conservé ça là, et puis, moi refresh, si nous regardez, il n'y a pas pareil. Ça veut dire, là, moi déjà, j'ai un commentaire. C'est comme ça, on est capable de faire un commentaire. On est capable de mettre là, ça, c'est un commentaire. Ok?
si m'ta pas là m'ta commenter ça là m'baiser contrôle K sur lui m'fait contrôle K si m'ta conserver et puis m'refresh là n'a regarder premier à les paraître si dernier à tout on commenter là m'fait contrôle K sur lui n'a regarder si m'refresh là dernier à les paraître y aller donc ça c'est une façon capable commenter commenter un link code dans HTML li très simple et très facile. OK, on poursuit avec étiquette yo. Une deuxième étiquette que nous allons voir, c'est façon capable mettre un paragraphe. Avant nous mettre, on a fait un commande d'abdi, on a pesé contrôle K, on a dit et comment pour mettre un paragraphe. OK? Et puis on descend en bas là, m'a mettre nous allons utiliser une étiquette, un tag qui est le P. Immédiatement qu'on utilise étiquette P là, la période que vous mettez un paragraphe. Si on a qui P là, mais qui P, et nous fermez, on va mettre ça, on va mettre paragraphe, par exemple, paragraphe. Et puis on va conserver, on va regarder là, on a un paragraphe. OK? Ça, c'est un paragraphe. C'est un ensemble d'étiquettes. Si on regarde le paragraphe là, il paraît comme si on a dit, c'est login, un H3, par exemple. Ou bien un H4, ok? Mais yon chaque service pour un bagage, ça devait être sauvé les métiers ou capable d'utiliser n'importe. Ok, l'autre étiquette que nous allons voir là, nous allons voir comment capable de faire mettre yon bas, yon tiret. Étiquette ça, c'est HF. Ok, HR. Si nous avons là, nous avons une étiquette HR, et puis nous fermons là. Ok, nous avons fermé, et puis nous avons conservé là, et puis nous avons là. Nous refresh. Si vous regardez là, vous mettez une ligne tout droit. Ok? Ça, il permet que vous mettez un tiret ou un bar qui permet que vous fassiez une séparation. Ok? Si vous regardez, qui différence qui est en étiquette ça, qui est fait avec étiquette ça, c'est que étiquette HR là, vous mettez ligne là, il n'y a pas une étiquette de ouverture. Si vous regardez là, vous ne mettez pas un premier, vous mettez une seule et puis vous mettez tout fermé là. Ok? Il n'y a pas une ouverture, il y a une étiquette de fermeture, ça veut dire juste mettez là et puis vous mettez le pourquoi. Ok, si par exemple l'on filme des HR ça là, nous devons faire mettre un bar sur lui, on va pas mettre HR là, mais qui HR et puis on ferme. Si on regarde là, si on a conservé après hello guys HR, on a gagné une étiquette bar. Ok, on nous poursuit. L'autre étiquette que nous parlons ensemble, nous allons une étiquette qui est BR. Nous allons pour qui ça BR la servi. Si on a mis l'étiquette BR ça là par exemple. Si nous apparaissons là, ok, nous apparaissons là, nous avons écrit hello guys, ok, et puis nous descendons en bas, nous faisons un thème, descendons en bas, et nous avons mis n'importe quoi, nous avons dit bonjour, nous avons conservé. Si nous regardons hello guys, ça a dit bonjour, nous apparaissons sous même ligne, ok, mais ça nous avons dit que nous avons fini avec hello guys, nous descendons en bas, ok. Si nous regardons là, si nous apparaissons dans HTML, nous descendons en bas, nous faisons des lignes en bas, ok? Et puis nous conservons là, nous conservons. Si nous regardons l'apparaissons là, tout même si nous descendons en bas, dans l'image, l'apparaissons là, nous refresh, nous regardons que nous ne descendons pas en bas. Si nous faisons utiliser une étiquette qui est BR, qui est BR là, peut-être que vous faites? Il peut que vous faites une ligne, ou descendez plus bas. Si nous regardons BR là, il servit même avec HR là. Il n'y a pas d'ouverture, il y a une étiquette de fermeture seulement. Ok? Si nous avons conservé là, nous avons gardé là, nous avons mis hello guys, bonjour, il descend en bas. Qui a fait le descend en bas? C'est parce qu'il met étiquette BR ça là. Donc, ça dépend de ça va faire ou depuis de voir que vous avez besoin. Ok? Par exemple, nous parlons d'une étiquette qui c'est spam. Spam, non, il peut être que vous mettez un texte très simple, c'est-à-dire, on va mettre par exemple et salut et puis la même compte étiquette spam ça est là on va mettre une autre étiquette spam par exemple mettons une autre étiquette spam et puis l'étiquette spam ça on va mettre salut 2 on va conserver si on apparaît là on va garder salut avec salut 2 là il est sous même ligne ok on va mettre bonjour pour qu'on puisse samedi et après. On t'a conservé et puis on t'a parlé là. On a regardé salut avec salut 2 là. Il est sous même ligne. Or, si on a regardé chaque sur une ligne là, ça veut dire qu'il n'est pas descendu en bas. Ok, ça veut dire que la structure qui est bien là, ce n'est pas ligne pour là. Qui ça fait l'aime de mettre H1 avec H2 là immédiatement descendre en bas pour quoi? C'est parce que
c'est comme ça, l'eau, les gains par défaut, immédiatement, fin mettez, les points, toutes les lignes pour coller. Ça veut dire tout espace, ça, quoi, là, les points pour coller. Ça veut dire immédiatement, fin mettez H1, hein, l'autre bagage qui va venir, là, descend en bas automatiquement. Mais, spam, non, il n'est pas comme ça. Mais qu'on a signé que immédiatement que vous mettez spam ça, vous voulez descendre en bas immédiatement, vous pouvez mettre un BR pour mettre que vous descendez en bas. Si vous avez conservé là, vous regardez, les mises fraîches là, ça lit 2, ça lit pas descendre en bas. Si les mises fraîches là, regardez, les descendent en bas. Donc, et ça et BR là, c'est pour ça les services, c'est pour capable descendre une ligne plus bas. Ok? Nous allons poursuivre avec, nous allons voir comment vous pouvez mettre link. Qui ça, un link qui est? Si vous avez une page, vous pouvez son page ou cliquer un côté et puis vous cliquez sur le texte et puis vous mettez dans notre page. C'est ça que nous allons voir comment vous mettre le link. Nous descendons plus bas pour nous mettre, par exemple, dans le link. Nous mettons le link comme ça. Étiquette ça, son étiquette qui est A. Si immédiatement nous mettons étiquette A là, ok, mettez A par exemple et puis nous conservez là. Et puis, nous mettons Google, par exemple. Mettez Google. Si nous conservons là, nous voyons ce qui s'est passé. Là, nous regardons, nous avons étiquette A. OK? Qui c'est Google. Si nous regardons, nous mettons sur celui-là, il ne va pas faire rien. Parce que l'étiquette A, il y a un autre bagage pour mettre sur lui qui c'est HREF. HREF, ça, il permet de vous indiquer qui côté par ça, il va le mener. OK? Si par exemple, nous avons quitté le blanche, et puis nous avons service là, si vous regardez immédiatement que vous mettez HREF là, vous regardez Google qui est là, les changer. Vous regardez les changer couleur et les souligner. Ok, si vous cliquez sur lui là, vous regardez les pas mener aucun côté parce que là, vous ne pouvez pas mettre rien. Mais si vous avez là, vous mettez link Google là, vous mettez www.google.com, comme ça. Ok, et vous mettez conserver et puis vous parlez là, vous cliquez sur ça. Je regarde immédiatement, je clique sur celui-là, il mène dans l'autre page. Ok? Qui s'est passé là? Regardez, il mène dans l'autre page. C'est parce que maintenant, on bagaille là. Parce que l'autre mette page là comme ça, il faut qu'on mette HTTPS, deux points, et puis bah ça. Si on a là, je vais mettre ça là, on va refresh page moyen, on va conserver là-bas. Et puis, je refresh page moyen. Je clique sur Google ça là, l'état de. Immédiatement, je mets souris à celui-là, je regarde en bas. En bas dans le coin, on a regardé qu'il m'a dit que je vais aller dans google.com. Si on a cliqué sur lui, immédiatement que je clique sur lui, on a regardé qu'il ouvre la page Google là-bas. Okay? Donc, le link c'est une étiquette qui est vraiment importante parce qu'on n'a pas besoin pour faire un pile bagage dans la page. Okay? Si par exemple, là, par exemple, on a mis une autre étiquette A, on a copié ça. Je vais prendre ça, je vais copier. Je fais CTRL-C, puis en bas, je fais CTRL-V. Et puis là, au lieu de mettre Google, on va mettre YouTube, par exemple, YouTube. Et puis, l'aimerie là, on va retirer ça là, on va mettre YouTube.com. YouTube.com. On va regarder immédiatement qui me conserve là. On va refresh ça là, on va regarder mon autre lien qui c'est YouTube. Ok? L'aime cliquer sur lui là, la mène sur page YouTube là, regardez. Immédiatement, cliquer sur lui, les mène sur YouTube directement. Ok? En retourné. Regardez là comment page la download et puis l'email mettez sur YouTube. À nous tourner pour nous capable ou écouter déjà là. Regardez là étiquette A tout, il pas descend en bas automatiquement. Si je descend en bas, je vais mettre deux links ça une après l'autre. On capable mettre une étiquette là mettez BR et puis immédiatement que mettez là descend en bas. Si on conserve là, on va refresh, regardez, une descend en bas. OK, donc ça c'est façon capable mettre un link dans une page. À nous continuer, nous allons mettre un HR là pour nous capable faire pour nous capable limiter ça, pour nous capable voir comment notre travail. Si nous refaisons, regardez chaque partie qu'il me fait, mettez en bas pour nous capable voir bien. Ok. L'autre étiquette que nous allons voir là, c'est un ensemble d'étiquettes que nous sommes capables de faire texte, un style par exemple. Si par exemple, nous avons une lettre comme ça, nous allons mettre les gros, nous allons mettre les plus gros par exemple. On nous prend étiquette A ça qui est là, on va copier YouTube là, on va mettre là. Même d'abord que YouTube ça qui est là, il paraît gros. Ça fait une étiquette qui est HTML qui est strong. Strong là, il veut qu'on fait là, paraît gros. Ok? Si on met strong là, et puis on va copier, on va mettre étiquette A en dedans, on va copier, par exemple,
Aïe, mettez là. Si vous avez refresh là, regardez, YouTube ça là, il paraît strong, il paraît plus gros. Si vous avez la différence qui gagne de YouTube, c'est débat différent. Mam, et là, si ça vous avez ça va me dire, puis bien. Ma pauvre ça plus. On va présenter un peu plus là. On va fermer ça. Ma pauvre ça plus. Ok, si vous regardez là, YouTube ça avec des YouTube ça, ça paraît en gras parce qu'il y a une étiquette strong là-dedans. Strong là, vous regardez si vous avez mis strong, par exemple, pardon, vous avez mis le menu cool là, vous avez mis strong, et vous avez mis hello, vous regardez hello, ça peut paraître d'une façon qui gros. Vous regardez là, il paraît gros parce que vous mettez avec une étiquette qui est strong. Ok? L'autre étiquette que nous parlons ensemble, c'est façon capable de mettre un texte comme dans son texte qui supprimé. Par exemple, si nous mettons par là, nous mettons une étiquette del, par exemple, nous mettons del, et puis en dedans del ça là, nous mettons et supprimé par exemple. Nous allons voir comment l'étiquette là, il va apparaître. Si nous mettons là, nous faisons regarder, il apparaît avec une petite ligne sur lui, avec dit, vous mettez son texte. Qui s'y boumé. Ça dépend de son pal fait la page ou ap gen nécessité pour capable faire tout bagay sa. Ça dépend de son besoin. Si nous mettons une étiquette, par exemple, étiquette I, nous parlons de comment le texte ça va le faire. Nous mettons une étiquette I là, et nous mettons italique par exemple, nous parlons de comment le texte ça va le faire. Nous parlons de son texte qui paraît couché. Avec son texte qui est en italique, il paraît couché. Ça demande de quoi le faire en fait ou une nécessité pour capable utiliser une étiquette ça. En gros, on a 100 étiquettes dans HTML. Si ça fait la description vidéo, on va quitter un lien pour capable voir toute étiquette qui gagne dans HTML. Mais on a pour ensemble ça qui plus important qui est plus utilisé la page. Quand il y a nous voir le on a le qui vraiment important qui c'est liste. On a fait un HR pour capable quitter un espace. Nous parlons comment on va faire une liste dans HTML. Ok? Qui ça liste là? Par exemple, si nous avons une liste, nous allons mettre une liste fruit. Par exemple, fruit, ça va me mettre mango, et par exemple, mango pomme. Nous allons faire une liste avec vous. Dans HTML, il y a une étiquette qui est OL avec UL. Il va mettre une liste. Chaque son liste. Ok? Par exemple, si nous mettons OL là, mauvais étiquette OL moyen et puis par en dedans m'a mettre ensemble des LI. OK, si on mettait là on mettait mango par exemple mango et puis on va copier LI à aïe on va copier là on va copier une deuxième fois on copie une troisième fois là on va mettre et véritable et puis en bas on va mettre par exemple pomme. Ok, si nous avons conservé ça, nous avons fait CTRL S et nous avons la là, refresh. Si nous avons regardé qui ça paraît là, nous avons une liste là, fuit. Nous avons une liste véritable, nous avons une pomme. Ok, c'est ça, nous avons fait OL là. Son liste, vous mettez étiquette OL là et puis chaque élément que vous voulez mettre là, vous mettez dans l'étiquette LI. C'est ça, la liste là, nous avons fait. Si nous avons regardé la liste là, nous avons fait avec un numéro. Si nous avons ajouté un autre là, nous avons mis un autre élément. On a mis un lot, par exemple, un lot. On a regardé qu'il va pas être avec le numéro 4. Parce que chaque son mettait la contrôler. Mais si par exemple, on a mis une liste, même pas le numéro qui est pareil. Ça fait qu'on a l'autre étiquette qui est UL. On a mis OL, qui c'est All the List. Ça fait l'UL ordonné. Mais si on met UL là, on a regardé là, les refresh, il apparaît même genre, mais il pas numéroté. Ou après, il est sans numéro. Au lieu de numéro 1, 2, 3, 4, il est sans petit près devant. Ok, ça c'est la différence qui vient en UL là avec L avec OL là. Une, il permet qu'il ordonne de 1 à 4, et chaque fois mettez la augmenter, et puis l'autre là lui-même, il n'y a pas de numération, il dit, il paraît ensemble avec un petit point. Puis d'un moment, il y a l'importance que ça aurait. Peut-être que vous avez paraît là, il paraît très laid, mais puis devant, vous pouvez utiliser CSS, qui c'est une qui peut être un style à page web, ou le son de l'autre bagaille, il paraît vraiment vraiment belle. OK, on nous continuer ensemble avec étiquette pour nous capable voir comment on a pété un HR pour nous capable faire espace. OK, et puis nous va aller avec nous va aller ça y est une tab qui ça un tab
En pile fois, ou pas la nécessité pour faire une table, l'acheter, mais la une table, si vous avez une table, vous avez une table, vous avez un produit par exemple. Vous avez un produit, vous avez un produit, vous avez une quantité, vous avez une description pour un produit. Là, pour faire ça, vous avez besoin d'une table pour pouvoir faire bien. Alors, comment vous pouvez faire une table, l'acheter, mais vous avez une étiquette qui est table. Table, à l'image que vous faites une table. Si vous mettez table là, vous regardez là, vous avez une table. Ok? Table ça là, les gens plusieurs parties là-dedans. Les gens ont une head, ils ont une tête et puis ils ont une body, ils ont un corps. Et comment on peut mettre yo? On a une étiquette qui est T-head. On a mis T-head là. Ok? Et maintenant, on a mis tête ça là, et puis en dedans ça là, on a une tête table moyen. Tête là, c'est là où on a mis titre là par exemple. Et chaque élément que vous allez mettre, vous allez mettre dans un TR. Qui est un TR? TR, la limite que vous faites une ligne. Ok? Si vous allez mettre un TR, une étiquette qui est le TR. Ok? TR, ça limite que vous faites, une ligne là-dedans. Vous faites une ligne. Ok? Et en dans TR, ça, malgré un ensemble de colonnes. Je ne vais pas faire ça, ma faire pour que vous bien qui ça me dit. Si par exemple, vous allez mettre un TD, TD, la limite que vous faites une colonne. On va mettre une étiquette TD. Par exemple, on va mettre et non. Non. On va mettre non, mettre deux points par exemple. On va tirer deux points. Et puis, on va mettre un autre TD. Puis, on va copier. On va mettre par exemple et quantité. Et puis, on va mettre un autre qui m'a pris par exemple et comment dire, on va mettre description. Ok, description. Si on a conservé ça là, tape ça là, et puis on a refresh ça là, on a regardé si on a descendu bas, on a gagné là, non, quantité, description. Si on a regardé la table, on n'a pas de forme. Si on a apparaît là, on a mis un attribut de table là qui c'est bold, ok, qui signifie à côté, on a mis égal par exemple à 1, voilà ça qui va le passer. Les conserver la refresh, on a regardé là, li ba tab moyen yon bolde pour capable wè différent éléments qu'elle gagne. OK? Ça la regarder là la t-shirt là là, c'est tête table là, c'est tête là. Ça regarder là mon yon ligne. TR ça, c'est ligne et puis chaque élément ça qui là, nous elle a gagne nom, ça c'est un TD qui c'est une colonne et puis l'autre colonne là c'est quantité, l'autre colonne là c'est description. Si n'ta pas là m'ajouter un autre TD, par exemple d'ajouter un TD on a mis par exemple prix. On a mis prix élément. On a mis prix. Nous allons regarder là, ma bon quatrième qui est à côté là, qui va être à côté là. Si on a refresh là, on va regarder mon quatrième là qui est marqué prix. Ok? Je vais commenter quelques lignes pour nous capable de voir ça. Bien par exemple, je vais commenter tout ça ensemble, je vais sélectionner. Je vais sélectionner tout ensemble et puis je vais faire CTRL-K, je vais commenter tout ensemble. Je vais refresh là pour nous capable de voir la table là bien. OK. Quand là en dans table moyen, mon fin gagne tête table là. L'aime fin gagne tête table là connait, m'a besoin mettre corps table là. Qu'est-ce que ça va faire pour mettre corps table là? M'a paraît là en dehors des étiquettes ça là, m'a mettre en dehors là m'a mettre T body. M'a mettre T body une étiquette qui te body qui peut que vous mettez corps table là. OK? Dans T body ça là, c'est là que nous capable faire un ensemble de lignes, un ensemble de lignes pour capable mettre toute quantité produit que me par exemple pas mettre un premier produit et chaque produit m'a mettre en dans une ligne qui c'est TR m'a fait un TR. OK, me fait un TR pour n'a pas mettre un produit. Produit ça faut qu'il y ait 4 colonnes tout parce que si la tête table moi me gagne 4 colonnes la té ligne ça la body a gagne 4 colonnes tout m'a copier ça et m'a mettre là. Je vais mettre 4 éléments. Le premier produit, je vais mettre par exemple, qui produit je vais mettre? Je vais mettre ciment. Je vais mettre ciment, quantité, je vais mettre 10. Je vais mettre 10, et puis description, je vais mettre pour faire caille, par exemple. Et puis, prix, je vais mettre, 20 $, par exemple. Bon exemple. Si je conserve là, et puis je refresh ça, je vais regarder ce qui s'est passé. Si je regarde là, moi gagne premièrement moi gagne petite table moyen qui c'est tête là et puis là me commence gagne produit yo m'a regarder me gagne premier produit qui c'est ciment quantité à 10 pour faire caille et puis ça pour y a li c'est 20. OK,
Si vous avez limité un autre produit, je vais copier ça, je vais copier TR là. Si vous regardez chaque TR qui mettez son ligne, il aime dire ligne, c'est ligne ça là. C'est toute ligne ça là qui m'a. Ouais, ça me sélectionne là. Tout ça, c'est ligne. Et puis chaque élément qui est là, c'est une colonne. Chaque colonne, c'est un TD. Si vous voulez mettre une ligne, produit, je vais copier ça là, copier, et puis en bas là, je vais mettre. Quand on a la Sinda, je vais mettre le deuxième produit, je vais mettre fait. Mettre fait, par exemple. Je dis quantité à 20 et puis je dis c'est pour faire caille tout pour faire caille et puis là je mets pour y assez 40 si je conserve là et puis là je refresh regardez là je vais une deuxième ligne qui est ajoutée ok je vais une deuxième ligne qui est ajoutée et puis avec toute information nécessaire là donc c'est très simple pour faire une table ok c'est très simple c'est tout élément ça peut être un élément qui c'est table. Ça veut dire, vous mettez c'est les 25, c'est papa, tout élément ça qu'on donne là. Et puis, le gain comme petit, c'est T-head, et puis le gain T-body. Ok? Et puis, il y a T-head là, c'est là, je mettez tête table moyen. Ok? Je mettez tête table moyen. Par exemple, pour quand différencier ça bien, on va commencer avec un élément qui est CSS, mais je vais juste mettre pour quand faire différence. Je vais mettre style, et puis je vais mettre background, background color. Là, je vais mettre une couleur, par exemple, je vais mettre red, par exemple, je vais mettre rouge, pour qu'on puisse différencier tête table avec corps table. Je regarde là, immédiatement, je mette là, je regarde là, il va être avec une couleur qui est rouge par en bas, pour qu'on puisse voir la différence là avec tête là avec corps. Ok? Et puis, chaque ligne que je vais mettre, je vais mettre un TR. Je vais ouvrir l'étiquette là, et puis je vais fermer. Et puis, en étiquette ça, quantité colonne que je vais gagner, je vais mettre. C'est qu'on aime d'abord mettre une autre colonne. Par exemple, je vais mettre total. Total. Je vais mettre total. Et puis là, je vais refresh. Je vais regarder une colonne total. Si je regarde, il paraît vide. Ça, qu'elle paraît vide parce que là, dans chaque T, je vais pas gagner l'autre colonne. Je vais gagner l'autre colonne TD. Si là, je vais ajouter une autre colonne TD, je vais mettre total là. Le fait que je vais besoin 10 et puis je vais 20, la bande descend. Je vais mettre 200, je vais regarder les refresh, je vais regarder la première colonne, la total là. Mais la deuxième n'a pas de gain, pas de gain parce que je ne vais pas ajouter la cinquième TD là. Mais c'est ce que vous comprenez. Si vous avez copié une autre colonne, par exemple, une autre ligne, vous avez copié là, même vous avez ajouté la colonne là, vous avez mis une autre, et ça va le faire 800, vous avez dit total là, c'est 800. Ok? Immédiatement, vous mettez 800, vous avez refresh, je vais regarder la troisième, la total là, mais la deuxième n'a pas de gain parce que je ne vais pas ajouter l'autre là. Ok, c'est très simple pour faire une table là HTML. Qu'on a, l'autre bagage que nous parlons là, c'est image. Si vous regardez, l'on travaille avec une page web ou qu'on a plusieurs images. Qu'on a, comment on va mettre une image là HTML? Pour nous faire ça, il faut qu'on ait une image là disponible là et qu'on va mettre là. Par exemple, si nous faisons CTRL B pour nous faire là, si nous regardons là, nous seulement et je vais seulement HTML là. Qui ça m'a fait pour capable mettre image là? Ça me fait, je vais aller dans la machine moyen, je vais ouvrir dans là, je vais aller côté de la page web là. Si je vais aller là, je vais page web, mais il faut que je mette image là en dans ça là. Comment je vais faire pour mettre image là? Si je vais aller dans l'image qui m'a là, je vais aller là, je vais copier deux images là qui m'a là, je vais copier tous les deux, et puis je vais tourner côté de avant, et puis je vais mettre là. Immédiatement que météo là, ok, immédiatement que météo là, si nous avons tourné dans Visual Studio Code, nous avons regardé là, si nous avons refresh là, nous avons tous les images disponibles. Ok, si nous avons ouvert, on fait clic sur nous, après, l'image apparaît là. Ok, ça c'est l'image que nous avons là. Comment on peut mettre l'image là, la page web moyen? Pour nous faire ça, nous allons là, nous allons regarder comme ça, et puis nous allons mettre un HR. Pour nous faire la différence là. Et puis, nous allons descendre en bas, nous allons mettre un commentaire en fait image. Ok? Nous allons descendre en bas. Étiquette image là, il y a une étiquette qui c'est IMG. Si nous mettons la IMG, mais la différence qui gagne dans l'étiquette image là, c'est que il n'y a pas d'étiquette d'ouverture. Il y a celle qui c'est IMG. Et puis, ou ferme. Ok? Immédiatement que vous mettez l'étiquette ça là, il n'y a pas d'ouverture, il y a fermeture seulement. C'est différent ça qui vient. Ou après, il y a une étiquette qui n'y a pas d'ouverture, qui est seulement fermeture et qui est tous les deux. Mais dans le cas image là, il y a seulement fermeture là. Mais quand il y a là, pour mettre l'image là, il y a un attribut qui est
src OK et puis mettez égal et puis en dedans ça là moi pas mettre direction image on va mettre et route que hôtel pas joindre image ça si là regardez immédiatement que mettre src a et src a li gèt sélectionné tout ça qui me là ou là qui me capable choisir qui ça m'a fait le fait que me gagne image ça au même côté ensemble avec index moi hein si on va mettre 4 là c'est qui c'est non image à mettre 4.jpg par exemple jpg immédiatement que on t'a conservé là et puis moi refresh page moi hein si on regarde en bas là on t'a supposé ouais image apparaît OK si on regarde là image moi il pas apparaît qu'est-ce qui passé image moi pas apparaît si on refresh lui encore on regarde il y a une image apparaît sauf qu'il est tellement gros ou pas ouel OK si on regarde c'est image ça qui là si on mettez ça plus gros pour capable ouel on regarde image ça tellement gros il prend toute page qui fait que ou pas kawel en quai OK ça veut dire moi obligé faire comme ça là pour capable ouel image moi OK mais qu'on a qui ça nous va faire nous va faire avec qu'est-ce c'est on va mettre ça à côté à janté là là pour faire ça image ça gon attribut qui permet que ou bal ni un gros c'est si on t'apparaît là, on t'a mis des width, width la petite fille est largeur, et puis on t'a mis par exemple 50. Si on met 50, nous voyons qui ça va passer les bagages là. La regarder image moyenne qui me dégage qui tellement gros, car des côtés il paraît en bas là, il paraît tout petit avec 50 gros c'est de 50. Si on t'apparaît là, on les met 50, met 100, la regarder il paraît plus gros les refresh. Regardez pour eux, il paraît plus gros. OK, WIF là, il permet que vous mettez image avec une grosseur. Donc, c'est qu'on s'en mettre une image là une page web. Si on doit mettre l'autre image là qui ça m'a fait mettre étiquette img et puis mettre src, m'a mettre égal et puis par en dedans m'a mettre non l'autre image là. Immédiatement que on commence qu'il n'a regardé là, on capable sélectionner si guide qui est là, l'a tout mettre pour moi et puis m'a fermé étiquette moi hein, me ferme et puis immédiatement m'ta refresh là, n'a regardé image là, l'état de paraître là. Mais il va paraître gros même j'ai avec l'autre là. Mais pour me faire ça, je mettre width et puis mettre par exemple, je mettre 150, mettre un ballon width de 150. Si je refresh là qu'on a là, regardez, moi j'ai tous les deux images là, une à côté l'autre, bien rapide et bien facile. Donc si nous ouais HTML là c'est ça le fait. Et puis plus devant, il va permettre que ou bal style avec CSS pour capable une page qui est vraiment belle, qui est vraiment attirant. Nous allons continuer avec l'autre élément et l'élément qui nous va voir c'est comment capable mettre une forme. Si vous regardez la page des fois quand ouais le poil est sign in avec le poil initier session la page ou quand ouais un petit input ou un carré pour mettre nom, une pour mettre password et puis un bouton tout pour capable mettre pour capable faire clic sur le qui marque sign in ou initier session. OK? Nous allons comment capable faire ça bien rapide avec formulaire. Pour mettre une forme là une page web, c'est très simple. Nous allons faire une ligne en bas là pour nous capable séparer contenu, nous allons mettre HR là, nous allons séparer. Une étiquette qui relie forme. Si vous commencez à écrire là, on met des formes, là on commence à séparer. OK? Forme ça, il permet que vous mettez une formulaire là une page web pour capable par exemple pour nous contacter ou pour capable initier session là une page web. Et les gains des attributs qu'il recevoir par exemple on capable mettre action action à ses côtés les monde n'a fait clic sur bouton par exemple s'il dit et submit là pour capable aller côté pour aller on capable quitter le blanche mais des fois capable mettre un link là-dedans pour capable dire côté là il doit aller les monde n'a pesé sur bouton et puis tout les gains l'autre bagaille qu'il recevoir qui c'est et méthode là il capable get ou bien post OK. Puis devant, on a pris ça puis bien, mais à l'attendant, à nous, on est capable de quitter blanche sur mais le plus souvent, on va le faire avec poste, OK? Poste, ça, il veut dire qu'on voit l'information, get la liberté, on recevoir l'information. Puis devant, on a pris ça en plus de détails. Là, dans une forme, on a un peu de bagage qu'on va faire. Nous voyons, le premier élément qu'on va mettre, par exemple, on va choisir de mettre un label. Label là, qui ça lié? Label là, il permet qu'on mette un titre. Par exemple, si vous voulez mettre nom, par exemple, on va mettre for name,
capable mettre sauver dedans capable mettre nom par exemple mettre names OK si on capable conserver là et puis on ta fait dans refresh ça là on regarder en bas là nous on étiquette qui c'est name OK on nous mettre dans l'air pour capable voir ça va faire pour capable voir plus bien ça qui pas besoin de ça là-bas on mettre au commencement de toute bagaille on copier là on nous refresh là on regarder en l'air là nous gagner name on nous mettre en bas en l'air là HR et puis va mettre un BR aussi. OK. OK. Bien. Là nous mettre names là, OK, les ou name là, comme va faire sauver avec. Par exemple, des fois quand met le fin ouais non, moi mon marqué names et puis en bas ouais, il mettait un petit espace pour capable écrire non. Ça on fait avec un input. Input là les gars seulement une étiquette de fermeture, OK. Vous mettez input là et puis le mettez input là faut qu'on dit qui type la pied. On va mettre type, type là on dit qui type la pied. On va mettre plusieurs. Gain pour mettre un texte, gain pour mettre un radio button, gain pour mettre un checkbox, gain plusieurs. On ouvre pour texte là avant, hein? C'est ça qui plus utilisé là et puis on a fermé. OK. Bien. Regardez là, les nous mettez texte là, c'est qu'on a la me refresh ça là ou après immédiatement les mettez un petit carré à côté pour être capable écrire nom. Donc regardez là, on capable écrire nom en dans carré sans capable mettre Jean Hilaire par exemple ou écrire nom là. OK? Et puis on capable mettre un autre sous les mettez nom, on capable mettre on capable copier de ça. Là on capable mettre le mettez nom, on capable mettre par exemple email. Là on capable mettre étiquette for ça, li servi pour l'on va l'utiliser puis devant soit l'on va mettre et JavaScript la code ou pour capable sélectionner directement. Il est vraiment important l'on va faire form pour mettre là-dedans, on va mettre email et puis mais input ça au lieu de mettre le type texte, on va mettre le type email parce que il y a un type pour email tout. Si on conserve ça là, on refresh là, on regarde là, on a un deuxième, on a pour nom et puis on a pour email, on va mettre email ça là, on va mettre mais sous mettre sauver là-dedans gmail.com. OK. Donc ça c'est plusieurs bagages qu'on peut faire ensemble. On va mettre un autre là pour mettre password par exemple. Mettre mot de passe là on va mettre et password et puis là on va mettre password. Et puis en bas là, on lui mettre sa type mail parce que on type tout qu'on va mettre password. Qui ça lui fait le mettre le type ça ou mettre le password. Il bon avantage parce que si on refresh ça là l'aim commence à écrire password ça là ou voilà comment l'appareil une pile petit boule OK mais des fois tout quand on mon là il pas choisi mettre password ça là au lieu de mettre un type texte tout qui c'est même bagarre là mais sauf que l'on va l'écrire là ou il après ça on peut écrire mais il est toujours plus bon si son password mon a écrit ou pas quitter l'autre monde il a accès pour elle pendant la période là pour quitter là avec un type password pour capable occulter capable et cacher OK c'est vraiment important. Le bagage nous parle tout, nous connaissons l'en formulaire, par exemple en bas là, une table mettez une en bas l'autre. Ça fait de nous, nous parlons importance BR là, puis devant on commencer à écrire code yo. BR ça on va mettre là, sous chaque bagage qui me finit là, m'a mettre en bas pour faire espace pour une capable descendre en bas l'autre. Nous parlons de qu'on a les save les refresh ça là, regardez comment une paraît en bas l'autre. OK? Là nous déjà ouais trois types de input qu'on va mettre. Si on regarde les belles les bols là les tout en la tout comme un type pour capable mettre devant. OK, nous va voir un autre type par exemple, nous quand demander mon par exemple, on capable mettre un input qui va venir de type et radio button. Par exemple, on capable mettre input mais on va mettre type ça là, m'a mettre et radio. Les mettre radio qui ça pas passer, nous va voir qui ça pas passer. Et puis ça là tout, il y a un attribut qui est name. Name ça là, il permet que puis devant on capable sélectionner. Mal moto, si on capable mettre par exemple, mettre sexe. OK, mettez sexe et puis tout le monde l'autre attribut qui c'est value, qui c'est valeur à mettre là, on va mettre 1 par exemple. Et puis là tout, là me mettre ça là, on va mettre un label bon côté pour me dire et par exemple et on va mettre là sexe on va mettre mâle. OK. Mettre garçon par exemple et puis tout on va copier même ligne ça là, m'a fait un autre radio bâton, on va mettre même name là pour sexe. Je vais mettre le gain valeur 2 par exemple. Et puis là, je vais mettre femelle. OK? Si c'est ça, et puis là, je vais conserver. Nous allons voir là, par exemple, on va voir tout le code de la net. Nous allons voir là,
Nous parlons là, les bam tout détire et radio bouton ça on est capable de sélectionner yon, ok? Si on peut sélectionner yon a sélectionné, ok? C'est-à-dire des fois quand on est en formulaire, il demande qui sexe ou si c'est garçon ou bien fille. Maman tout attribue et name ça qui là, sous changer, si on pas mettre le walwe la bon problème, si on retire name ça qui là et puis name ça qui là tout, on retire tout le name, on conserve, nous voilà qui ça pas le passé. L'aime conserver là, nous va regarder l'aime sélectionner ça là. N'a regarder mon gain accès pour sélectionner tous les deux. Or, il monde pas qu'à gagner deux sexes en même temps. OK? On va faire sauver, il monde pas qu'à gagner deux sexes en même temps. C'est ça que fait l'homme était attribué name ça là, il permet que il pas bon accès pour sélectionner tous les deux ensemble. Si mettez l'aime conserver le voilà, l'aime sélectionner une, l'aime laisser sélectionner l'autre là, il désélectionner. OK? C'est vraiment important pour mettre attribué name ça et l'important tout le va le faire back end. Pour capable sélectionner information ça en façon plus rapide avec valeur à tout. OK? Qu'il y a là, nous allons l'autre attribut et nous allons l'autre option parce que des fois quand on met ensemble option, des fois mon n'a droit par exemple les cap plusieurs bagages en même temps. Si on met une autre option, nous allons ensemble, on met là et input. OK, on met type ça va le de checkbox. Checkbox, ça va être sélectionné, mais vous capable sélectionner plusieurs en même temps. Okay? Par exemple, on va mettre un checkbox. Par exemple, on va mettre un label d'elle qui va mettre pour nous sélectionner qui ça lit, qui ça le fait la vie capable étudiant. Ok, si on a sélectionné ça, on a copié plusieurs fois. On a copié trois fois, on est capable étudiant, capable. Il est capable, par exemple, qui ça me capable de mettre encore? Il est capable de mettre footballeur. Footballeur. Par exemple, un type de sport. Si vous avez un type de sport, il est capable de jouer football, par exemple. Football, pendant le football, là, la tête, il est capable de jouer basketball. Ok? En même temps, tout le monde, ça, il est capable de jouer tennis. Ok? Ça veut dire qu'il est capable de jouer un monde qui fait trois types de sports ensemble. Si vous il faut que je regarde là, je tous les trois. Avantage checkbox là, c'est que vous pouvez sélectionner plusieurs en même temps. Si je regarde là, je vais accès pour sélectionner tous les trois. Je vais accès pour sélectionner un seul. Ou je vais accès pour ne pas sélectionner du tout. Ok? C'est avantage ça, checkbox là, avec radio button là, qui permet que vous sélectionnez une seule option seulement. Ok? Nous allons voir une autre option qui est vraiment importante. La même bagage ça, des fois tout. Vous pouvez voir, au lieu de vous mettre un radio button là, li mette yon list option que nous capable choisir. Ba montre par exemple gon yon étiquette qui c'est select. Select là li peut que vous sélectionnez. Si n'a regardé li gen name, si li gen ID. Puis devant après qui ça ça oui. Et nous va li recevoir en pile option. On va mettre option par exemple, toutes ces étiquettes on mettre option, option. Et puis là on va mettre la option ça mettre on va par exemple on va mettre si nous avons mis pour sélectionner pays côté de l'île, mettre Haïti, par exemple, nous allons mettre un deuxième, nous allons mettre trois pays en dedans, nous allons mettre Haïti, Canada, et nous allons mettre aussi Argentine, et nous allons mettre aussi Brésil. Si nous avons mis des gens, nous avons mis des gens, il y a qui pays qui l'a vu, nous allons mettre option ça aussi. Si nous avons refresh là, nous allons immédiatement qu'il refresh. La mgon pati ki ou mgon ti bagay la ki marqué Haïti. Si m pèse sou li, on peut que m capable choisir qui pays qui m vle, la m capable choisir une nade. Mais des fois tout quand on mette une première option qui pas rien du tout, l'aime tout pas rien du tout pour capable venir par défaut. Là on mette select. Pour capable de sélectionner. Là la pi bon encore. On va mettre un bal faire pour ca descendre, puis bas, on va mettre un BR là pour ca descendre. OK? Si je regarde là, je vais côté pour capable sélectionner les cliquer là, on capable sélectionner on est capable prendre Haïti, sinon on capable prendre Canada, sinon on capable prendre Brésil. Donc c'est différentes options qu'on capable faire pour capable joindre information de you monde. OK? Nous allons notre étiquette la forme là qui vraiment important qui permet que ou regrouper tout bagaille ensemble. Par exemple, si tout ça qui là les bols ça avec non ça au lieu la mettre un par exemple mettre un BL on capable choisir mettre tout ça qui là par exemple partie ça là quand même bien label pour non avec label avec input pour non hein. Moi mettre là dans une étiquette qui est fill set. OK, fill set ça là il veut que
ou mettez yo en dedans on capable mettre choisir mettre ça yo en dedans on copie au genre et puis mettez le en dedans OK on mettez tout en dedans la vite là moi gain partie ça li déjà à part OK alors comme ça dans les fils c'est là en anglais comme d'habitude c'est au bal yon champ a yon partie qui pourquoi la vite dit en dedans ça me connaît tout ça qui en dedans ça c'est pour name là. Tout ça qui en dedans ça c'est pour email là on va faire même j'ai avec email là ou après on mettez fils set et puis mettez email là en dedans tout pour faire même bagarre là on capable faire même bagarre avec tout ça qui là là m'a retiré br là OK m'a retiré br ça là tout pour la sim d'assemble ça là dans refresh là regardez comment les séparer bon sans que pas besoin mettre br là regardez chaque yo son champ qui a pas ouais ouais la partie par eux pas mêler avec moi on va faire même bagarre là pour password là qui là m'a mettre fil set là fil set OK m'a copier m'a mettre là va mettre là par exemple non on tourne va mettre le plus bas non on va se copier qui va copier pas copier je vais mettre en bas là on va faire même genre avec pour radio et bâtonne que mis en bas mais des fil set et puis m'a prend ça m'a copier et puis m'a mettre le côté fil set et radio bâtonne fini il est fini là m'a retiré BR là m'a mettre là m'a retiré BR là et puis tout on va le faire même bagarre là pour l'autre élément qui m'y est là m'a retiré là m'a mettre côté le fini là OK et puis tout on va le faire ça pour même bagarre pour select là qui là m'a mettre là bas OK kounya là moi gagne chaque élément là en champ kounya là si on regarde yo chaque yo différent yo a pas et li séparé li pa kite yo sou même bagage di la ça veut dire forme moi là li kite commencer ordonner li kite prendre forme qui pi avantage pour moi là on capable choisir mettre nom mettre Jean Hilaire par exemple mettre Jean Hilaire et puis là mettre email moi email à commercial@gmail.com là on capable mettre password mettre et puis choisir sexe moi et puis là on choisir c'est footballeur par exemple et puis là on choisir pays qui c'est Haïti OK donc là moi j'ai rempli formulaire moi mais quand là il y a bagage qui me manquait nous quand on le fin mettre formulaire le fin rempli tout formulaire là net ou gagne un bouton c'est ça fait là nous manque un input qui nous va mettre dans fil set tout nous mettre dans fil set qui va input qui capable de type ouais là on le mettre type ça va mettre type submit soumit la liberté qui m'a envoyé là et m'a capable ballon value qui va le value value ça c'est ça qui va apparaître le bouton capable dit et envoyer par exemple envoyer OK qu'on a la sim save là et puis moi là moi refresh li n'a regardé là immédiatement un grand bouton qui là qui marqué envoyer OK il marqué envoyer donc en gros c'est ensemble des éléments ça qui nous gagne dans formulaire simple tout on les mettez you en dans ça la mettez you input quand on mettez un button qui c'est une étiquette tout qui vraiment important qu'on va utiliser en pile c'est button b u button OK et y a un bouton sans qu'on mettez envoyer semble là mais si vous le mettez bouton pour capable fonctionner même j'ai avec input là ou de mettez type et puis l'arrivé là mettez type submit tout OK des boutons ça y fait même bagage ça dépend des sauve limité si on regarde il paraît même genre ou mettez une ou bien l'autre ça dépend sauve limité donc en gros c'est ensemble des éléments ça que nous gagne qui est vraiment important l'on fait un formulaire si on regarde là nous avons un formulaire qui très 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 agréable puis devant nous le formulaire ça que nous là l'on va utiliser CSS ou pas le faire vraiment belle ou capable faire sauver avec vous pour priorité janvier là par exemple si on clique là sur submit maintenant on regarde immédiatement on clique là il formulaire moi pas être rempli et puis il y aller si là à côté qui marqué action là moi te gagne un link l'MPZ là c'est là le d'envoyer OK donc en gros c'est ça qui nous gagne pour nous faire un formulaire on y a nous parlons un autre élément qui est vraiment important qui on va faire tout le temps avec mettre la utiliser parce que l'utiliser un pile qui c'est div par exemple mettez un commentaire là qui c'est div puis ça un div c'est une boîte ouais le box en anglais son boîte boîte ça il permet que moi prendre moi serrer un pile bagarre dedans par exemple si la mettre div qui
c'est un sélecteur qui c'est une étiquette. Moi mettez div et en dedans div ça on capable mettre on capable faire sembler avec lui. Par exemple capable choisir mettre un paragraphe, mettez un paragraphe, on a dit par exemple hello guys. Hello guys, OK? Donc lien dans un div. Soit là là, si on t'a conservé ça, on a regardé là hello guys moi là il paraît là, OK? Hello guys ça il paraît là, mais lisse un div. L'aime de me dire là il dit lien dans un div. Comme dialogue là où est son paragraphe qui paraît, mais en réalité lien dans une boîte, les grand dans une boîte. Si forme ça que m'gain là tout forme ça ou toute forme ça que m'gain là, on capable choisir point, OK? Moi mettre là dans un div. Moi mettre là dans un div par exemple. On va copier, m'a mettre tout en dedans et puis les côtés forme n'a fini hein, m'a fermer div là. Comme moi fini là mettre là. Forme ça que m'gain là, lien dans un div. On regarde si baga là, il pas gain changement qui fait. Mais en réalité lien dans un div, OK? On va nous tout ça m'dou là. Si par exemple là, on t'apparaît côté ça qui là, on t'apparaît, on t'a fait style background color red. Mettez le rouge par exemple. Si on conserve là, si on regarde là, immédiatement que m'bay div moi en une couleur, un background, on regarde toute forme dans net les points couleur div là. OK? C'est avantage ça les gars. Si qu'on y a là, on t'apparaît tout côté paragraphe moi là, paragraphe moi là. D'apparaît m'ta dit ma background ma background tout après toute div la net toute paragraphe net d'ap mon background on d'ap dit style d'ap mettre background color d'ap bal yellow avec ça si m'ta refresh là après là toute ça là tout ça qui m'est là les prend un background ça veut dire div la les mêmes là ils sont éléments qui occupent tout espace la net tout large que je viens là occuper net. OK? Donc, puis avant, on va le faire pratique avec CSS, on va le dire là comment on est capable de manœuvrer. OK? Kounya, nous allons passer, nous allons voir ensemble d'éléments qui étaient venus là en HTML, qui n'est pas trop ancien, mais qui n'est pas trop nouveau, tout, mais qui là, qui c'est une comme dans son upgrade, actualisation de HTML. Éléments ça, vous permettre que ou bas page ou une structure qui agréable pour capable ordonner éléments là. Nous allons voir ensemble qui ça est. Si par exemple, on est capable de descendre là, après l'élément body, après l'élément body là, on va quitter un peu l'espace. Parce qu'il y a une page web, l'on fait une page web, il y a trois éléments qui sont importants là-dedans. Il y a premièrement, il y a head là, qui c'est tête page là. Okay? Après ça, il y a une partie qui c'est main, qui c'est l'élément principal là. Après ça, il y a un pied des pages. Okay? Par exemple, gon ensemble d'étiquettes qui t'est à peine venu dans HTML, par exemple une là c'est header. Header il permet que ou bail tête page là. Par exemple, donc étiquette ça on a page ou par exemple, là pas publier page voie sur internet, il y a capable différencier élément ça au plus rapide. Dans header là, on capable gagner tête page moyen. OK? Par exemple, on va commenter tout ça me là. M'a commenter tout que ça là, m'a retirer, m'a supprimer parce que n'était ouais ça ou déjà. M'a supprimé tout jusqu'à là, m'a supprimé jusqu'à en l'air net. OK, m'a supprimé tout ça là. On y a nous pas le travail avec nouveau structure là pour nous capable travailler ensemble. Si me refresh là, n'a pas que me pas rien. OK, faire des éléments qui au bail tête page là. Là me capable dire ça c'est on capable mettre un H1 là par exemple, un H1 dit ça c'est et tête page là, hein. Header of the page. OK, et puis en bas là le fin gain tête page là comme par exemple la tête page là ou là gain un menu par exemple pas le moto on va aller sur YouTube on va aller sur YouTube pour moi c'est pour moto ça va bien la plus bien je vais aller sur YouTube dans monter sur YouTube là n'a regarder là on va faire ça pillage pour montrer ça m'a dit là sur YouTube en façon qui puis bon pour capable comprendre si n'a regarder YouTube li gon parti en l'air là si n'a regardé parti ça n'a regardé en l'air là côté qui gen ti menu ça qui gen marqué YouTube qui gen barre de recherche ça avec tout icône ça là ça li vin censé yon c'est li qui est le header c'est li tête page là. OK, et puis ensemble d'éléments ça ou kenge là côté toute vidéo là là ouais côté toute vidéo ça ou là c'est yo qui vin censé c'est yo qui vin censé et main yon étiquette qui c'est main qui c'est partie principale page là. Et si nous t'a descendre en bas, OK? Si nous t'a descendre en bas net,
les toutes vidéos fin passé ou n'est pas en bas ou ou gion piller les pages, ça veut dire côté marqué mamuto on va l'ouvrir une autre page pour capable comprendre samedi à bien. Si on t'a monté par exemple, on t'a monté sur une autre page qui est là, on va monter sur le mouton. Si on t'a monté sur par exemple page ça puis de là c'est informatique qui c'est une page que vous pouvez utiliser. Si vous apparaît en bas par ça là, ou après ou à bon pied des pages. Pied par exemple, regardez en bas ça là, ça son pied. Ouais, il y a seulement quelques icônes là-dedans et puis avec le logo. Donc tout ça qui là, partie ça là, quand vous avez toutes icônes ça là, il y a toutes ces pieds pages là. Et partie ça que la mitan là, l'intérêt c'est partie principale là. Et puis là tout il y a tête, c'est header page là. Donc c'est ça nous allons faire avec étiquette ça au Kenya là pour qu'on va comprendre plus bien. OK? On descend ta biba pour qu'on comprenne. Nous avons header et nous avons étiquette qui c'est main. Qui c'est main, qui c'est partie principale là. Par exemple, on va mettre main. OK? Ça c'est main. On va mettre le paragraphe par exemple, mettez main. OK? Et puis l'autre partie qui gagne c'est footer. Son étiquette qui est le footer qui c'est pied page là. OK? Alors on va mettre footer. Trois étiquettes ça y est vraiment important. Si on arrive fresh après, il est séparé. Sauf que il est séparé. Mais le bon structure comme ça, il comprend pas joie puis bien. OK, tu vois qui ça pied de page là, qui ça qui tête page là et après ça, il est capable voir qui ça qui partie principale page là. OK? Donc c'est vraiment important le mettre et étiquette ça la page là parce qu'il permet que yo comprenne plus bien. L'autre partie que nous gagne tout qui est vraiment important que nous allons ensemble là c'est en domaine ça que vous gagne là les gants ensemble d'étiquettes tout qu'on va utiliser qui est vraiment nouveau l'HTML qui c'est chaque section là il permet que vous définir une section. OK, vous capable gagner plusieurs sections. OK, par exemple soit regarder la YouTube vous ne pouvez pas regarder une section, c'est ensemble des vidéos, après ça on la section c'est section ça c'est pour faire annonce. Donc ça dépend de ce que fait la page ou un ensemble d'étiquettes qui est disponible pour capable utiliser l'app et l'app use HTML pour capable faire structure page ou. OK, donc c'est vraiment intéressant login étiquette ça pour capable utiliser. Une manière que nous apprenons avant que nous terminions partie ça, c'est comment capable identifier un élément dans HTML. Puis devant, on va le nécessité pour capable sélectionner un élément et bâtir un style qui propre à lui-même. Et pour sélectionner l'élément ça, on va des fois plus on va utiliser une classe ou bien un ID. En nous qui ça une classe avec un ID. Par exemple, si j'ai un header ça qui sont étiquette. Si je veux identifier, par exemple, puis devant, je veux bâtir un style qui propre à lui-même dans CSS. Ou capable ajouter une classe à lui-même. Qui ça classe là? Par exemple, quand on va une classe, on capable dire par exemple et first, moi par exemple, ou capable nom que vous voulez, OK? L'aime faire classe égale à first, ça veut dire élément ça qui est là qui c'est header, on capable identifier la CSS moi ou bien la JavaScript avec classe, OK? Sinon ou bien on capable mettre un ID. On capable dire ID on capable dire first. OK, l'aime fait ça si on regarde si on capable refresh ça pas rien qui passe. Mais kounya on va le faire bagala qui avancer des quoi qui pas HTML qui CSS mais puis devant on va le CSS bien on va comprendre ça me faire. Si on ta sélectionne on va mettre point et on va mettre no class ça qui c'est first, ça il permet que moi sélectionner une classe. On va mettre background, on va mettre par exemple yellow. Si on a sauvé là, on a refresh, on a regardé que toute partie qui est en header là, il y a un background. Background, c'est un fond qui est en bas, élément qui est jaune. OK? Donc, classe là, il permet que moi identifier un élément. OK? Mais quand on a la sac belle là, classe là, on peut utiliser pour sélectionner plusieurs éléments. Si on a la footer, on peut faire là, on a dit, on a mis des classes. Et m'a dit et first nous va regarder que immédiatement que moi save li m'ta refresh ça voilà que la bon background qui yellow tout qui jaune.
Donc, pas immédiatement les gens background qui jeune parce que les gens même classe avec header, ok? C'est vraiment important. On va utiliser CSS avec JavaScript pour capable sélectionner l'élément ça à travers une classe ou bien un ID. Mais quand si on a sélectionné ID, on va mettre une dièse là et mettre null qui c'est first, ok? Quand on a on va mettre une color, on a dit color. Par exemple, on va une couleur qui blanc. Si on a sélectionné là, on va refresh, on va des couleurs ça qui là au lieu de noir, il va apparaître blanc. Ok, il paraît tout de même qu'il peut paraître bien. Même ballon couleur qui rouge plutôt pour qu'on va boire le plus bien. Même ballon bleu. Qui paraît plus bien. Ok, si on regarde là, texte moyen il paraît avec une couleur qui bleu. Ok, c'est avantage ça. Si on regarde, il fait même travail. Il permet que vous sélectionnez un élément qu'on gagne l'HTML. Mais qu'on a qui différence qui gagne entre une classe avec une ID. Bon, il y a plusieurs différences. Je vais dire les diverses qui viennent, c'est l'op sélectionner. L'op sélectionner une classe ou utiliser un point. Ok, vous mettez point, vous mettez notre classe là. Et puis l'op utiliser un ID, vous mettez dièse et vous mettez notre classe là. Ça, c'est une première différence qui vient. Mais l'autre différence qui est vraiment importante, l'op utiliser classe avec ID, c'est que l'op besoin d'identifier un élément qui est propre à lui-même, les plus bon ou bien un ID. Si vous regardez des fois, tout le monde utilise le JavaScript, la plus bon, vous sélectionnez l'élément ça avec un ID. Et une remarque que m'a fait, c'est que ID n'est pas conseillable pour utiliser dans plusieurs éléments. Ça veut dire si mon élément là, qui a un ID first, et puis mon autre élément que je veux utiliser pour faire même bagarre avec lui, au lieu que je balance un ID, le plus bon pour balancer une classe. Puis je balance ça, une classe qui first. Même pour avoir un ID first. Qu'est-ce qui se passe? Parce que un ID, c'est un bail qui est unique. Ça veut dire, lui représenter header ça. Ok? L'aime sélectionner, lui connaître, c'est seulement header ça qu'il a sélectionné. Si vous avez un élément, ça va être dans la section, ça va être capable de dire ID. Et vous dites, par exemple, vous avez dit first. Ok? Là, sous save là, vous avez mis un contenu dans le header ça, vous avez dit, vous avez mis blablabla, par exemple. Et puis, dans ce livre-là, nous voyons que l'apparaît avec couleur qui bleue. L'apparaît pas conseillable pour faire ça. Sauf le fait ça, l'apparaît bon pour utiliser une classe. Ok? Mais l'apparaît pas conseillable pour utiliser une ID parce que une ID son bail qui est unique qui représente une seule bagaille. C'est différent ça qui vient entre lui-même. ID a utilisé l'ovle représenter une seule bagaille. Ok? Avec le symbole représenter une section ça qui une façon qui est unique. On peut dire ID, on peut dire par exemple, S1 qui c'est section 1. Ok? Là, je dis que ça est unique à section ça. Je vais sélectionner seulement section ça. Je vais utiliser ID ça. Ok? Et puis, classe là, on peut utiliser la plusieurs bagailles. Avant que vous fassiez tout, vous avez une étiquette, plusieurs classes. On peut dire, par exemple, on peut une classe qui est first, on peut faire une classe qui est last, on peut faire my class, par exemple. On peut mettre très bien là-dedans tout. Ou quand on bal quantité classe qu'on voulait, ok? Donc c'est vraiment important les météo parce que on va permettre que vous identifiez les massa d'une façon qui est plus facile et qui est plus rapide tout. En regardant l'autre façon qu'on va sélectionner tout, même si bon, nous pas besoin de faire ça parce que ça révèle un CSS si par l'HTML. Qu'on y a, nous va faire un exemple pour nous capable appliquer tout ça qui nous était ouais durant tout quoi. Pour nous capables de réfléchir mémoire nous avant que nous entrions dans CSS qui c'est une partie qui est vraiment importante, qui est vraiment belle, là on va commencer par page web, un style qui pourra pas lui-même. On nous fait pratique là ensemble. Là, juste avant que nous entrions dans la pratique que nous allons faire ensemble, nous allons même montrer qui ça nous va le faire pour capable d'avoir une idée de ça. Et si vous êtes capable de camper vidéo pour essayer de faire le bouquin avant et puis après ça, regarder comment nous faisons nous-mêmes pour capable apprendre bien. Si nous regardons là, nous avons une page principale. Nous regardons là, les avons une photo. Partie ça, nous regardons là, côté qui marque Home About. Là, c'est Header. Quand nous avons une page, quand nous avons un logo, ensemble avec un ensemble de links. Et chaque link, ça, nous avons là-dedans qui mène dans l'autre page. Okay? Et puis après, ça, nous avons l'autre section. Toute partie ça qui là, c'est une partie main. Quand on a un service qui nous offre, par exemple, après ça, nous avons ensemble des produits. Et puis, l'autre bagage qui nous va louer, nous avons une vidéo là-dedans que nous mettons,
qui nous patrouillent ensemble pendant quoi. Et puis après ça, par bas, on va ensemble des links tout qui c'est link pour mener dans les réseaux sociaux. Ok? Donc, pendant que ça, nous voilà pour un pile bagaille. Par exemple, nous voilà pour comment mettre une vidéo et comment mettre le contrôle sur la vidéo à tout. Et puis, nous pourrons aller, si nous regardons là, si nous faisons clic sur contact, nous regardons, les mener dans l'autre page, côté nous avons même header, même footer, mais la section maintenant, nous avons l'autre bagaille, côté nous avons une forme, un formulaire, côté capable de voir un email à n'importe où. Ok? Et puis là tout nous avons deux boutons en bas. Si nous t'as rempli formulaire ça par exemple nous t'as mis tes noms, mettez Jean Hilaire par exemple, et puis en bas nous t'as mis n'importe email, nous t'as mis email moi, et puis là nous t'as mis n'importe sujet, nous t'as mis n'importe ça nous t'as fait, et puis nous t'as fait reset form. N'importe les mots fait reset form non, li nettoyer tout input net. Donc nous allons comment faire tout bagage ensemble. Et si pendant que nous là contact là tout nous t'as fait tout dans home non, c'est nous cliquer sur home. Li mène nous la page côté de avant. Et si nous allons la page à bas là, li mène nous dans l'autre page côté, nous pas gagner seulement, nous gagnons un texte qui décrit un bagage. Et puis si nous sommes capables de tourner la home côté avant, li mène nous la page principale là. Donc, c'est ça nous allons ensemble. Font une pause vidéo, essayez comment c'est pour vous capable apprendre. Et puis après ça, regardez comment nous pral faire ensemble. Si nous entrons là, et éditeur de texte qu'on gagne hein, qui c'est Visual Studio Code. Il y a plusieurs façons capable faire ça. Nous pourrons créer un autre dossier pour nous capable faire projet ça ensemble. On va faire là ou bientôt on va entrer dans code gagne tout dossier sur machine ou hein. Nous capable entrer là et pour capable créer là. Par exemple, si là mal fait un nouveau dossier, nous capable bal du nom par exemple m'a dit projet par exemple projet 1. Projet 1 par exemple bal non ça. Et puis là, toute photo avec vidéo qu'on va utiliser, on va conseiller ou mettre li là. Par exemple, si toute vidéo avec photo qu'on va utiliser, on va mettre là, qui m'a déjà, on copie là, on mettre là, on déjà disponible pour capable utiliser. Ok, mais qu'on y a là, si nous finissons de remplir tout le bagage là, nous t'a tourné la Visual Studio Code là, après nous gagnons là déjà disponible pour nous travailler ensemble avec eux. Ok, donc nous déjà gagné toute photo ça là déjà disponible. Pour nous faire sembler avec yo. Très souvent, les plus bons logins, toutes photos ça déjà, ou pas quitter une sur l'autre comme ça, mais ou mettez yo en dans un dossier à part. Nous allons faire ça en dans Visual Studio Code là pour montrer comment faire. Nous allons aller dans Tibaï ça qui marque New Folder et bien après un nouveau folder qui c'est un dossier. Nous allons par exemple mettez et tout en mettez par exemple on a mettez on nous mettez pic par exemple c'est pic picture et puis on a sauvé. Et puis toute photo ça qu'on gagne là, on a fait clic sur pour nous capable voir sur le capable voir et puis on a pesé contrôle pour nous sélectionner tout ensemble, on a sélectionné tout ensemble et puis après ça on a cliqué sur et puis nous déplacer nous mettre le sous petit dossier qui était là. L'elle sous lui après les moto qu'elle sous lui et puis on a plagué sous lui et puis tout dossier ça il vient censé en dedans. OK? Qu'on y a là nous va le placer sous projet 1 et puis on a créé une autre et nous va le créer une file pour nous capable faire index là première page principale que nous va le gagner. On a pris par exemple index.html. OK, donc on a là nous gagne un dossier qu'on gagne toute photo avec vidéo là et puis à part en dans projet là nous gagne une autre et file qui c'est index.html. Si nous avons ouvert page ça, nous avons entré côté D avant là, nous avons entré dans le dossier qui est là. Par exemple, nous avons fait double clic sur lui, la ouvert page pour nous. Si nous avons allé sur page ça, nous avons pris son page qui est blanche qui va gagner. Nous avons ouvert deux côtés là pour nous capable faire le travail bien. Ok. Quand nous allons commencer le travail, pas oublier, nous avons tout profité pour nous faire une révision, nous allons travailler. Pas à pas, il y en a pour l'autre pour nous capables de comprendre. Premier, ça a besoin, c'est quel type de document que nous allons utiliser. Nous allons mettre ce symbole ça, et puis point d'interrogation, point d'exclamation, nous allons mettre doc type, ok, et puis nous allons mettre HTML, et puis nous allons fermer. Là, nous dit que, par ça, il va y avoir un document HTML là-dedans. Après ça, nous allons ouvrir étiquette et HTML là, HTML. HTML
OK, et puis n'a fait même. Et puis en dans étiquette HTML là papier nous gain deux parties là-dedans. Nous gain header et puis nous gain et body qui c'est quoi? N'a créé deux étiquettes ça qui c'est head z qui c'est head. OK. Et puis par dehors n'a créé l'autre étiquette là qui c'est body. Côté toute bagaille quoi là. OK, kounya là nous va remplir header. Nous va remplir header. Pas oublier premier bagage n'a metté n'a dit qui type de des lettres qu'il va utiliser avec child set n'a metté son étiquette meta n'a metté meta et puis n'a metté child set et puis n'a dit égal avec out effet et puis 8 guion 8. OK, là nous dit que nous pourrons utiliser out effet 8 là document ça qui nous créer. C'est ça l'effet jusqu'à présent. Si nous t'as sauvé là, je vais faire un petit peu ça avec CTRL B pour gagner plus d'espace. Nous t'as bagarré là pour pas aucune modification. Le bagarre que nous pour faire tout, nous capable mettre un titre. Pas oublier, on garde le projet qui est là pour capable suivre bien. Le projet qui est là, si nous garde la page principale là, le titre ça là qui est là, il marqué My Business. Nous voilà là tout, nous créer une étiquette title. Qui c'est title et puis nous mettez my business en dedans my business. OK, bien qu'on a si me servir là on va parler là après là moi gagne tout my business qui va comparaître. OK, mal servir et puis là si la regarder là il pas apparaître my business là il pas apparaître, c'est tout en HTML là qui paraît. Qui ça fait ça? On regarde qui ça fait ça. OK, il va paraître parce que moi pas et actualiser page là, parce que pas oublier l'offre fait changement ça là et puis au save li faut qu'on paraît là pour actualiser. OK, ou actualiser et puis la page si regardez là nous gain my business là qui bien bel et bien présent. Kounya nous pour aller passer là pour le moment nous fini avec partie header. Nous va dans body à kounya pour nous qui ça nous gain. Pas oublier dans body à nous gain un header. Partie ça qui n'a regardé là qui est le gomme avec tout bouton ça là c'est un header. On nous garder on met étiquette header pas oublier comme on dit fait header. On met étiquette header là et bien dans étiquette ça pour ça bien moi gon image pas oublier image ça c'est son étiquette bien img par exemple img et puis en dans img ça gon un attribut qui est src et puis on met qui côté image là pour aller chercher image là. Image ça pas oublier si nous t'a ouvert petite fenêtre ça avec CTRL B. Si nous regarde image nous hein, comme nous là faut que nous monter là-dedans et dossier ça qui là faut que nous monter là-dedans qui c'est pic. Mais qui ça l'a fait? N'a met des pic. OK, n'a met des pic. Et puis là nous n'a met des bas pour capable entrer dedans. Si nous regarde pas même comment c'est écrit là, il est en train dedans, il monter tout image qui est là et image là mettez à l'aide il est point png mettez image ça m'a fermé tu fais net là mon gars plus espace et puis m'a fermé étiquette là si nous t'as celui là et nous t'as pas là nous t'as refresh lui là n'a regardé moi j'ai image là m'a pas regardé quoi image là mais il est tellement gros moi vu une paire image là tellement micro. OK, pas oublier ça nous t'es fait pour ça nous t'es pas là un attribut qui est width qui bal peut être bal grosse n'a bal width de 100 pixels par exemple et puis n'a save li et puis n'a pas là n'a refresh si n'a regardé là moi j'ai image là déjà disponible là avec une grosseur qui 100. Nous déjà font premier pas et puis l'autre pas qui nous va le faire nous va mettre tout les qui ensemble. OK, pour nous mettre tous les qui ensemble, on va la grouper en dans une div. Pas oublier une div, ça me dit lié, c'est une boîte. Il y a une box en anglais, OK? Qui ça m'a fait? Je mets des div. Je mets des div et puis m'a fermé. Et en dans div ça, on va bailler une classe avec un ID pour capable après ça sélectionner avec CSS, OK? On va bailler une classe par exemple après le menu parce que c'est un menu qui lié qui va gagner tout élément. Qui ça me gagne dans div ça? Pas bien dans div ça, moi gagne un ensemble de links. Gagne qui c'est home, si vous regardez son liste qui me là, regardez petit point ça qui me gagne côté là, les qui indique que son liste. OK, son liste qui pas ordonné parce que c'est petit point gagne. Nous va faire ça.
Premier, ça l'a fait pour capable Félicia, parce qu'il y a une étiquette qui c'est UL, UL là. Et bien, dans UL, ça nous avons ensemble des LI, ok? LI, ça là. Si nous avons là, nous avons des Chrome là, qui nous avons dans là, nous voilà qui ça parle pas. L'MCV là, nous avons refresh là. C'est là, nous avons des Chrome là. Mais qui ça passe? Si nous avons des Chrome ça là, il n'y a pas un link, l'MPC sur lui, il n'y a pas beaucoup de MPC. Or, si nous avons des MPC là, il y a une autre couleur et puis, li son link lié. Et mais qui ça parle passé avant d'aguer là HTML ou capable mettre une étiquette en dedans une étiquette qu'on a en dedans étiquette LI ça qui me là on va mettre une étiquette A, OK, parce que A son link lié. Il m'a pesé sur lui, ça me fait la couleur perdre comme ça sans pas écrire tout immédiatement que même fini mettre A et puis me pesé un gros bar qui ça là qui bar tab là, OK, il dans clavier ils sont bar qui les tab on pesé sur lui ou bien capable écrire tout comme ça. Et puis, je vais mettre index.html. Ça, l'index, ça l'empêche de souligner la même page index.html. Là. Ok, c'est ça que je dis là. Je vais mettre home. Ok. Et puis, je vais copier, je vais peser 4 fois parce que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de 4 graines là. Ok. Je vais copier, je vais sélectionner tout comme ça et je vais faire copier. Et puis en bas là, m'a fait contrôle V, m'a fait contrôle V, m'a descendre, m'a fait contrôle oui. M'a fait contrôle V encore, m'a descendre, m'a fait contrôle. On a mis tous les quatre et puis m'a venir modifier ça là. Deuxième là qui c'était product traduit qui s'est produit and we got the next one contact. Et puis nous gagne là about. OK? Si nous avons des produits là, il va gagner aucun link là-dedans. Ça dit m'a quitté là avec un dièse là-dedans. On va déjà quitter le blush. Contact ça qui est là, on va créer une autre page HTML après ça qui va le contact HTML. OK? Et puis ça là, on va créer une autre page qui va le about HTML. Nous là, donc moi déjà moi quitté là disponible après ça pour capable créer page ça. Qu'on a senti save li là. Et je vais refresh par ça là. Si vous regardez là, je vais là disponible. Ok, je vais tous les quatre là disponible. Ok, quand vous cliquez sur le produit, vous allez pas faire. Si vous cliquez sur contact, vous allez l'embêter sur contact, vous allez mieux. Qui s'est passé là? Ça fait le même ça parce que moi dit pour aller dans une page qui a pris les contacts HTML, nous là, contact HTML, mais pas ça, il va coexister. C'est ça fait l'empêcher sur lui, il va me erreur. Si je t'appelle sur About, là, tout là, même erreur parce que il va jouer une page là. Puis devant, on a besoin de problème ça, de nous créer des pages. Mais, il y a un bac qui est d'ailleurs que vous notez là, on a regardé, sous les qui m'empêchent déjà, on a regardé, il y a une autre couleur. Il y a une couleur qui est différente de ça qu'on va passer. Les lecs là, vous pesez sur lui déjà, ils sont les qui visitent. C'est attribué ça, le là. L'HTML, depuis vous visitez déjà, vous mettez une autre couleur qui est différente pour capable différencier qui est composé sur les IA et ça va sur les. Ok? Passé là, nous déjà une première partie à faire là qui est identique à ça, qui c'est header. Ok? Nous avons parti ça. Donc, on va dire partie ça, header là, les fini, moi ok avec les. Header ça la simule, on va faire une classe. Si après ça me donne une classe class header par exemple. Et puis, on va faire un ID tout, on va créer header. Parce que puis devant, nous allons utiliser même exemple ça qu'on a fait là, pour nous capable travailler dans CSS pour nous capable faire pratique ensemble. Ok, c'est à faire moi tout profiter bah yo, yon ID avec yon class name. Ok, so, qu'on a, nous allons la partie, nous finissons la partie header, nous allons la partie main là qu'on a parce que nous avons regardé toute partie ça qui est là, côté qui commence avec service là, toute partie ça là jusqu'à ce que nous la vidéo là, c'est yon main, c'est une boîte qui est main. Ok. Nous allons créer une étiquette ça qui nous recommande c'est main et puis on ferme et puis en dans main ça nous allons créer toute l'autre partie qui nous voulons. Si on est capable d'avoir un ID par exemple, on va avoir un ID qui va dire main ou on va avoir un ID qu'on voulait ou on va avoir un ID qui n'en vaut pas. Chaque ça que nous avons là côté qui marque service produit et works là, chaque c'est une section en dans main. Donc pour chaque ça que nous avons là, nous allons créer une section. Ok. Je vais prendre une première étiquette section et puis je vais faire un ID. Regardez comment je vais faire pour l'infini qui ça au lieu de faire ID après ça, je vais tout faire ID. Je vais mettre point et puis je vais mettre point pour mettre non ID. Je vais faire un ID qui va appeler section -01.
parce que c'est la première section que j'ai. Puis là, je finis de peser, je pèse le bouton qui est tab là. Et immédiatement, je pèse tab, je regarde les guitares créées ben, moi, ensemble avec class name. Ok? Il y a une classe là, ensemble avec section. Donc, en deux sections, je regarde qui ça me met. Je regarde un titre là. Titre ça, par contre, qui ça lit, par contre, si c'est H3 ou H4, mais je vais mettre dans le groupe là. Nous allons créer un, par exemple, quand on va mettre dans un paragraphe. Je vais créer un paragraphe pour lui. Un paragraphe avec P et puis mettre en dans services. Ok? Et puis là, on a regardé en bas, on a gagné une liste. Mais si on a regardé la liste, ça, les différents des premières listes qui me gagnent. Parce que les listes sont les listes qui sont ordonnées. Ça, c'est les gagnent 1, 2, 3, 4. La descendante, dans chaque ça, on mettait l'augmenter. Donc, on a bien fait une liste qui est ordonnée. Au lieu d'utiliser UL, là, on a utilisé OL. All the list. On a utilisé OL. On a mis OL. Et puis, chaque ça, il y a un LI. On va mettre LI là. Premier, on va marquer follow. Souvenez tout pour plus simple, vous pouvez venir par là, vous copiez le texte là, vous copiez, vous faites CTRL C, et puis par là, je vais le et puis je vais là, sans qu'il m'a pas perdu de temps écrit. Et puis, je vais copier deux fois. Je vais copier deux fois. Je vais copier le texte qui est là, qui est là, pour que je fasse plus rapide. Et puis, je vais venir par là, et puis je vais copier. Pour troisième tour, je fais même genre, au lieu de perdre du temps écrit tout, comme tout rien déjà, je vais copier. Et puis, je vais paste les. Regarde. Aïta. Quand je vais save ça là, je vais save les. Et puis, je vais là. Je vais refresh la page qui est là. Si je regarde, je vais une section ça là qui est belle et bien présente. Ok? Section ça là, elle est là, disponible. Je vais avancer ça pour gagner plus d'espace là. Ok? Si je regarde là, il est identique. Mon service là, et tous les deux identiques là, j'aime des villes là. Ok, quand on va créer deuxième section, mais quand on a section ça, je vais créer, mais je vais tout faire un ID. Tu as l'endroit comment on va mettre un class name, une classe, pardon, à créer et étiquette là. Quand on a simulé un ID, je vais mettre et dièse là, immédiatement que je mette dièse là, et puis je vais section, et puis je mette non ID, après ça, je vais mettre tab. Mais dans mes états, je vais créer ensemble avec un ID pour moi. Donc, ce sont des techniques que je vais tout mettre pendant la pratique là pour pouvoir travailler de façon qui est plus rapide pour faire HTML là. Dans la deuxième section, ça, qui ça nous rend dans? Nous avons une table ensemble avec le produit là-dedans. Ok? Nous allons créer une table nous. Nous allons créer une table là. Nous allons aller les tables. Par exemple, nous allons créer un table. Mais si nous regardons les tables, ça, nous avons un titre. Adan, ligon titre là puis devant. Titre ça, m'ta même mettre avant créer table, si n'a pas des lien les tête table là, n'a créer avec un H1 parce que me sent dit son H1 que lien. Et puis n'a mettre et plage. OK, j'ai un deux écrit là avec quelque chose là. Bien. Et puis la table moi que mis en bas. N'a regardé table ça, nous pas regarder pour nous qui ça le gna dedans. Table ça, n'a pas des premiers rangs que nous là, lisser tête table là. Quand il y a un name, range price, description, lisez tête table. Nous allons créer tête table avant. Nous allons créer tête table. Pas bien vous décrire tête table. Nous allons faire T-header. Ok? Avec étiquette ça, nous créons tête table. Et puis tête table ça, ligons ligne là-dedans. Ligons ligne là-dedans que nous allons créer avec TR. Nous allons créer un TR. Et puis TR ça, ligons trois éléments. Chaque c'est un TD. Puis on te dit à te dit name, ok, on a copié deux fois, on a copié deux fois, et puis l'autre là te dit et range price, on a mis qui j'en te venir, et puis troisième là te dit description, ok, qu'on a là, si on a save là, et puis on a refresh page nous, on a regardé, nous gagnons table ça là qui est disponible, ok, mais qu'on a différence qu'on a fait, on a regardé pas non. Il n'y a pas marqué, il n'y a pas de petit carré. Qui s'en fait pour nous débattre de petit carré? On va pas oublier. Tab ça, si nous n'avons pas beaucoup de temps, on va mettre border, qui est à côté. On va mettre une valeur qui est 1, par exemple. Immédiatement, je save là, et je vais refresh ça là. On va regarder, moi, je vais disponible avec un border. Ok, avec petit carré ça qui est séparé. Quand on a fini avec head là, nous pouvons aller là en bas. Nous parlons dans T-body parce que c'est comme ça pour créer une table.
Dans le tableau, nous avons trois lignes. Dans l'exemple, nous faisons, nous avons posé une première ligne, nous avons trois TD. Parce que le fait que nous avons trois TD, la tête tableau, nous avons trois TD. Nous avons fait un premier. Le premier, ça, nous avons dit qui ça nous dégrade. Nous avons toutes les mêmes informations. Fon, et puis vous mettez rangé prière, et puis vous mettez une description. Quand vous mettez sur le même, vous faites ça pour nous capables de voir. Par exemple, vous mettez l'ensemble, vous mettez computer. Computer. Ah, on va l'appeler. On va mettre computer. Et puis on va créer un autre TD. On va mettre ranger prière. On va commencer de, par exemple, $100. On va créer jusqu'à $3000. Ok? Et puis, la description, on va mettre RSM. Something like this. So. Et puis on va save li. Si nous avons refresh ça, on va regarder. Moi déjà gagné une première ligne, OK? Quand ya si m'ta copier ligne TR ça avec tout ça qu'on donne là, m'ta copier avec contrôle C et puis m'descend en bas, m'ta avec contrôle V mettre une fois, mettre les fois là. Si m'ta regarder m'ta save et puis m'ta refresh là, regardez moi gagné trois fois là disponible. Donc c'est même tab ça qui là sauf que là moi fait avec un phone et puis en bas là moi fait avec un computer ça. Troisième section que nous gagné que nous a fait très vite c'est une vidéo. La cour nous pas gagner comment mettre une vidéo mais il très simple c'est même genre avec une photo. Nous pas créer notre section vous voulez n'a garder côté section ça est fini. Si me cliquer ça là n'a garder côté fini là, c'est là et puis par en bas m'a créer notre section. Section ça nous va le créer pour montrer notre technique. Me voulez baler une ID m'a mettre 10 m'a mettre section 03 et puis me voulez bal tout une classe m'a mettre point et puis m'a mettre section guion trace. OK, donc met tout bas élément ça qui m'a créé à étiquette ça une ID ensemble avec une classe tout fait rapidement. Si nous tapez tab m'a regarder li créer le moi ensemble avec une ID et puis une classe. Donc c'est vraiment important pour qu'on technique ça au capedo avancer très rapide. Nous avons une vidéo là-dedans, étiquette vidéo. Pour mettre une vidéo, on va briser une étiquette qui est vidéo. Très simple comme ça. Vidéo, on va cliquer le genre. OK? Dans étiquette vidéo, ça là, qui ça a besoin dedans? Vidéo, ça là, on va mettre SRCA, qui c'est attribué, pour qu'on va mettre qui côté, il va jouer une vidéo. Ça. Si on regarde les mecs, immédiatement, qu'il m'écrit, et Visual Studio Code, c'est un éditeur de texte qui est vraiment intelligent, il va détecter. Qui est dossier qui la projet nan, et puis là on capable sélectionner bien rapide. Si je clique sur lui là au lieu mettre pic et bar ça je clique sur lui et puis il va mettre pour moi et puis là on capable sélectionner vidéo là qui c'est motivation version 01.mp4. si je clique sur lui il va mettre pour moi là. OK, si qu'on me save et puis me refresh là c'est à regarder moi gain vidéo là qu'est-ce qui s'est passé là. Vidéo ça, il est tellement occupé espace, il est gros. Je vais regarder comment il prend tout écran et puis comme si je parle bien. Donc, vidéo à tout, même avec photo, il y a un attribut qui est WIF, qui va être global grosse. Par exemple, vidéo ça, je vais mettre par exemple 300 pixels. Et puis, je vais save là, je vais refresh là. Je vais regarder vidéo ça là, je vais avoir un bas disponible avec 300 pixels. Vidéo ça, je vais regarder là, au lieu, je vais avoir un titre qui est marqué Words. Comment je vais mettre le moins son H1, je vais mettre dans cette section là, je vais mettre H1, ok, et je vais mettre Works par exemple. Et puis, si je refresh là, je vais mettre Works là qui est disponible. Gardez pas pour les vidéos, ça que je vais mettre là, je vais dire son vidéo. Si je regarde, je clique sur lui, ok, je clique sur lui, il va faire rien. Et puis, vidéo va jouer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'on met une vidéo dans HTML. Gon ensemble des attributs pour mettre là-dedans pour capable jouer. Il y en a un qui est vraiment important, qui est vraiment essentiel, qui c'est une qui marque control. OK? Si mettez control ça là, ouais, well, il est avec S. Mettez le m'écrit dans d'étiquette là, si n'a regardé moi mettez en d'étiquette et ouverture là, OK? En dedans et puis mais avant me fermer, OK, si n'a regardé là avant me fermer parce que c'est là me fermer. Avant de fermer l'étiquette là, regardez ça me fait quoi? En dedans là, je vais mettre control. Je vais mettre n'importe côté. Si je save là, je vais refresh là. Si je regarde la vidéo là, elle est disponible. Non seulement disponible, mais je vais mettre l'option pour augmenter le volume, pour télécharger la vidéo, mettre dans le plus grand écran,
ou bien tout capable appeler les simples vidéos ça nous va le sac pas passer. Regardez vidéo là qui est disponible là jouer et puis dit combien temps durer combien temps lié la marché capable descendre volume là augmenter volume là là capable faire sauver ensemble avec vidéo ça là. OK, donc les très simple nous comment vous mettre en vidéo et puis pour nous ballon gros dans HTML. Nous avons regardé l'exemple, nous avons regardé la cunia, nous avons marqué la dernière partie de ça, qui c'est footer, qui c'est pied page là, côté nous allons mettre 4 icônes là-dedans, et puis avec un titre qui marque Red Social. Bien, pour ça, nous allons retirer quoi dans le domaine, parce que nous sommes dans le domaine, nous allons fermer. Par exemple, si nous regardons le Visual Studio Code, par exemple, si header, ça me donne le fermer, nous sommes capables de faire le PPT, nous sommes capables de plus d'espace. Si nous allons dans la même ligne 8 à côté de l'IA, si nous regardons là, les mettre souris à la gonti flèche qui paraît petit flèche ça c'est nous l'idée descend en bas mais si nous tapez ce petit flèche ça c'est la même ligne 8 ça mais regardez ça le fait ouais regardez comment les rattraper espace là tout côté tout ça qui est en dedans de là les rattraper les mettre ensemble pour capable plus espace on va faire même bagarre avec maintenant tout m'a cliquer sur lui regardez les rattraper tout ensemble on va descendre en bas maintenant mais ça va me dire qu'elle est supprimer l'élément là si nous dans save lui là dans refresh là d'abord là dans refresh d'abord les mêmes résultats sur les taux après ça on est capable ouais si on pèse sur le flèche ça la gouna libère tout ça me là si on ferme sur lui il ferme. OK, c'est juste pour montrer comment on est capable de travailler avec une façon qui peut ordonner. On ferme les headers là, there we go. Bralé va maintenant balayer une section qui appelle footer habillé étiquette ça nous était déjà footer et bien fermé. On est là, mon guion H1 qui me dégaine la foule là, qui c'était qui démarquait Red Social. Et puis nous dégaine ensemble link ça si nous regardez, il y a un petit point devant. Petit point ça indique que son liste qui me là et liste ça, ils sont liste qui pas ordonné donc s'il pas en liste qui ordonné m'a utiliser UL. OK? Et puis en dans liste ça, m'a regardé moi gagne 4 icônes. Pas mettons LI. Mais en regardant en dans LI ça, je n'ai pas de texte. Ça, c'est là, son image. C'est vrai, c'est mon moto. Je suis capable de mauvais, je suis capable de déplacer. Donc, comment je connais ce que ça va faire pour nous? C'est avant ça, ça a HTML, je vais mettre une étiquette en dans une étiquette. Donc, en dans LI ça, là, qui ça va faire, je vais mettre une image. Je vais mettre une IMG. Et puis là, je vais mettre qui côté ma vision. Je vais aller dans le pic, par exemple. Je vais aller dans le pic et je vais mettre bas. Et puis, je vais choisir qui prend l'image, je vais mettre en premier. Je suis capable de mettre n'importe quoi. Mais là, je vais mettre YouTube là. Mettez YouTube là en premier. Si je save ça là, et puis je refresh page moyen. Si je regarde par en bas là, je vais Red Social. Et puis là, je vais YouTube là. Je vais logo YouTube moyen. Si je regarde les pages de façon qui go, je vais aller en size avec WIF. Par exemple, je vais avoir un WIF de 100 pixels. 100 pixels. Je vais refresh là. Si je regarde les pages de gros qui est petit, j'aime ta ville là. Je vais aller en gros qui est 80 par exemple. Symbol 80, there we go. Nous mettons comme ça. OK, quand là nous allons copier ça 4 fois parce que nous avons 4 icônes, nous allons copier 4 fois. Au lieu là moi gagne YouTube, m'a retirer ça là, je vais filmer débat là, m'a mettre Facebook là par exemple, Facebook et puis ça m'a retirer au lieu de mettre ça, m'a mettre et WhatsApp et puis dernier là m'a retirer donc et puis m'a mettre Instagram. There we go. Quand on a signé save ça là, et puis on a refresh ça là. Là, regardez, moi j'ai tous les 4 icônes là, qui c'est YouTube, Facebook, Instagram. Tous les 4 là, ils sont disponibles, ils sont bel et bien présents. OK? On regarde là, exactement si c'est consulté. Si on regarde là, il y a une façon, texte ça va pas être, ça fait le papa parce que font que là, il est blanc et puis ça blanc tout. Si on tout, on a passé là, regardez. Texte ça le déplacer là regardez ouais il est là texte ça la seule qu'il est blanc et puis bah la blanc tout c'est ça fait que ou pas ouais bien et le bagage que nous allons faire c'est regarder l'exemple que nous gagnons hein. Ça là c'est me cliquer sur lui c'est comme t'as dit il va mon accès comme t'as dit c'est un link li parce que ça fait me dire son link parce que si nous regardons les mettre souris sur lui il paraît avec une autre icône et puis il part en bas là coin page là il monte pour de le braler. OK, ça me capable faire là c'est mettre dans le link tout. Au lieu là, je vais mettre l'image là. En dans elle, ça me déca mettre image ça en dans un link. Je vais mettre une étiquette A là. Mettre A, par exemple. Je vais mettre une étiquette A.
et puis avant étiquette ça fermé en dedans étiquette à ça on copie et puis m'a fermé là après image là, OK ça veut dire moi mettez étiquette ça en dedans moi mettre ça comme ça pour capable là va dire étiquette A qui commence là qui finit là mais en dedans moi une étiquette image c'est bon moto comment capable mettre une étiquette en dedans une étiquette c'est un bel avantage on mettre là si m'da save ça là et m'da refresh n'a pas les premiers liens là n'a pas les mettre sur la souli il va pas m'a save lui m'a pas save lui là avant et puis là refresh les refresh n'a pas les mettre sur la sur premier lien là n'a pas qui ça le fait OK les bonnes directions que de m'aller il va dans l'autre icône icône ça c'est une petite icône mais si mettez sur Facebook là n'a pas il va faire ça si mettez sur Instagram là il va faire ça si mettez sur n'importe ça mettez là va faire mais sur YouTube là si donc on pense que en gros là nous déjà gagné première page nous hein qui est disponible parce que les très identique c'est même bagaille sur le capable faire même bagaille avec reste icône là mettez en dans étiquette A pour qu'on faire pratique pour quoi nous allons qu'on a comment nous allons faire ça fonctionner les cliquer sur contact là là pour le mener sur notre page ça comment nous allons faire ça m'a fait contrôle V en dans Visual Studio Code pour capable ajouter une autre et une autre file on capable créer et tout contenu ça qui ça m'a fait m'apparaît là on regarder les même mettre souris là les gont tirer une bague new file OK on clique sur lui et puis on va le on appeler le par exemple et j'en dirai le bague là contact .html qu'on a moi pas ça là déjà OK on va le mot on va le save lui là qu'on a là si on refresh là on tape sur contact. Regardez ce qui se passe pour elle. Il n'y a pas une page qui est audio par jour encore. Il y a une page qui est tout blanche. Qui ça fait le tout blanche parce que en dedans et page ça l'a pas gagné. Mais qui ça va le faire? Le fait que j'ai un pile de qui fait déjà si on regarde les malais là, mal sur contact. Moi j'ai même header, moi j'ai même footer. Ça veut dire partie changer, c'est partie qui là et section là qui là maintenant, OK? Qui ça m'a fait? M'a pas là là. N'a pas ça qui m'a déjà m'a fermé là m'a paraît on va le copier tout premier jusqu'à header m'a copier là tout header net jusqu'à en ligne net m'a copier et puis m'a mettre là on va faire en façon plus rapide et puis par en bas m'a commencer depuis la footer m'a commencer depuis la footer jusqu'à html là m'a copier et puis m'a mettre m'a faire espace là m'a mettre là. Ça veut dire que copier partie qui m'a copié seulement c'est partie maintenant qui t'as supposé en là parce que nous parlons l'autre main, OK. On va mettre étiquette main ça là, m'a mettre là. M'a créer l'autre. OK, m'a mettre main pour capable voir les disponibles. Si me save là et puis d'apparaître dans pas ça là, m'ta refresh et puis me passer sur contact. Si on regarde les vini là, les très disponibles, il y a même header là. Et puis là, moi j'ai même footer et puis là maintenant il marqué main. Mais pas oublier dans l'autre main ça nous gagnons un formulaire côté nous va créer ensemble bien rapide. Nous va aller en dans main ça on lui mettre un main m'a descendre si n'a pas les moi gagnons un formulaire. Formulaire ça me dans le mettre là dans div m'a créer div ça par exemple. Et m'a créer un div vraiment. Et puis div ça m'a balle une classe par exemple m'a créer formulaire. Formulaire bien. Et puis en dans ça là on va créer une étiquette form. OK, pas bien action pour le moment, il pas important, on mettre un dièse là et puis n'a pas une méthode comme il pas une action méthode là n'a pas lui pour capable pratiquer ça méthode là pour post parce que c'est vrai n'a voyez aller. OK, qu'on a là en dans form ça là si n'a regardé n'a essayé que nous là nous gagner le premier carré qui est nom là il n'a gardé séparé qui ça fait séparation parce qu'il y a une étiquette qui est fil 7 et puis nous avons trois colonnes comme ça avec une dernière colonne nous allons faire ça bien rapide nous avons fil 7 pas oublier étiquette ça c'est les fil 7 OK et puis nous avons label qui c'est name on met le name for name on met le name là OK et puis en bas nous avons input. Donc input ça le type texte parce que c'est nom on va l'écrire. OK, mais le plus souvent lorsque on input il y a un ensemble d'attributs qu'on met là-dedans. Une là-dedans qui c'est
Mais quand bal un attribut qui c'est né pour avoir bal un nom d'après name ça bral et name parce que il y a même nom avec OK mais et attribut c'est nom name. Après ça nous avons l'autre qui c'est bal un ID par exemple ID ça bral name aussi et souvent bal un nom qui est identique avec pour capable différencier bien pour le bal dans JavaScript avec le bal dans l'autre langage de backend pour capable sélectionner puis bien. Et puis tout, vous avez une classe, tout, ça dépend de mon nom, une classe name, vous avez la même classe là pour pouvoir sélectionner les pieds devant. Ok? On peut dire, here we go. Nous avons le premier fil 7 là, si nous avons save li, et nous avons le projet dans la date. Nous avons le premier fil 7 là disponible avec un name, avec un input pour nous capable d'écrire un nom. Et puis, good. Nous allons créer un deuxième fil 7, bien rapide, nous allons mettre fil 7. Ok? Fil c'est ça, il va gagner un label qu'après le deuxième noté email. Par exemple, email. C'est pour email ça. Et puis, on va mettre là email. Et puis, nous allons mettre un input. Mais input ça, on va mettre un petit texte, la petite email, parce que son email lié. Ok? Et puis, on va mettre un name, cap email. On va mettre un ID, cap email. Et puis, nous avons aussi une classe qui a email. Ok, nous allons pour capable après ça sélectionner là CSS. Regardez là, nous avons bien bel et présent là, même chose. Nous allons créer un troisième fil 7 pour le sujet. Parce que vous avez un email, vous mettez un nom qui a envoyé un email là, vous mettez qui email, qui est email, vous avez et puis vous mettez ou après comparer comme un sujet, comme un message. Nous allons créer un autre fil 7 par exemple, qui a pris les. Et le bol la palele, par exemple, et subject. Subject. And this is for subject. There we go. Et puis, nous avons un input. Au lieu de l'utiliser un input, parce que le sujet a les sombres qui go en pile. Nous allons utiliser une autre étiquette dans HTML qui va important, qui est le texte alia. Texte alia. C'est comme d'ailleurs c'est même chose avec un input. Qui différence qui gagne avec texte alia ensemble avec input là, c'est que texte alia lui-même li pi gros. OK? Si nous ta save là, nous ta refresh, nous regarde texte alia, c'est presque même chose avec input là. Mais sauf que li pi gros et non seulement li pi gros ou capable et balle une autre dimension, si nous ta pas à côté à là, dans mes souris à bon côté, regarde les là côté à là, on capable faire pi gros. On capable faire ouais, balle large, balle longueur. On va faire le plus gros, ça dépend de ça, on va l'écrire. Parce que des fois, on va l'écrire un bagage qui en pile. Ça dépend des sujets qui m'a écrit, on va écrire un pile texte. On va mettre comme ça pour être capable de plus gros pour que l'on soit capable de faire un gros qui est plus avantage. Mais l'avantage qu'on a, on peut faire un gros là. Si on a une étiquette, on va mettre, par exemple, on va mettre call. Ok, mettre calls. Et puis là, on va mettre 20 par exemple. Call là, il va faire un. Je vais vous montrer le même col 20. Si vous avez changé ça, vous avez mis row. Ok, vous avez mis par exemple 50. Vous regardez qui ça parle passé. Vous avez regardé 50 là, qui est row c'est pour longueur. Vous avez mis longueur 50. Vous avez longueur quelle est. Mais là, vous avez mis 50, vous avez mis 20. Vous avez mis le descendre. Vous avez mis le longueur qui est 20. Mais plus souvent, vous avez mis à 10. Vous avez mis à 10, c'est pour moto. Et row a c'est pour longueur mettez la 10 dit OK là et pour capable bal yon là bal yon là bal m'a changer m'a mettre 40 par exemple si n'avait été 40 ça va aller là les vin pilage col là c'est pour longueur c'est pour largeur et puis row a c'est pour longueur qu'il fait OK ça c'est pour capable baler et depuis la code doit écrire OK. Là, ce que nous changeons de méthode, là, au lieu de la sujet, nous mettons un input, nous mettons un texte alia qui a plus d'espace pour capable écrire. OK? Et puis, dernière partie, nous avons une dernière partie qui c'est nous avons deux boutons. Deux boutons, ça, on ne peut pas venir mettre un fil 7, on ne peut pas mettre un input qui parle de type submit. OK? Et puis, là, nous avons value, c'est value qui va gagner dans l'enceinte. Si je fais envoyer, si je save là, et puis je refresh, alors je vais premier bouton ça là, qui c'est send. Nous allons créer un autre bouton pour nous capable effacer tout ça que nous avons écrit. Mais nous allons créer avec notre étiquette button, ok?
que nous avons avant. Et nous avons mis un type là-dedans. Type. Nous avons pris les reset, par exemple. Reset. Et nous avons mis reset. Reset. Form. Ok? Parce que le type reset là, qui ça le fait? Il peut être effacé. Il garde tout input avec texte alia qui vient dans la forme. Et il efface toute valeur qui est dans le. Ok? Si nous avons save là, nous avons mis un deuxième bouton ça là. Qui ça passe? Si d'après là, tu as commencé à écrire Jean-Élien Messo, et puis là, tu mets email, et puis là, tu mets bla 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 qui c'est un bagage qui est placeholder. Qui ça placeholder? Ou quand ouais, le bon email comme ça et puis vous paraît ou quand de là ou quand un bagage marqué type name par exemple. Ou du type name qui signifie écrit nom. Mais ou un bagage ça comme ça de l'OSC sélectionné ou pas sélectionné le vrai parce que ils sont placeholder. Placeholder qui ça l'aime pas le mot. Son bagage qui permet que ou ouais qui ça pour écrire peut-être mon là la lui name. Mais par contre qui ça vous le fait ou capable indiquer qui ça vous le fait si nous avons un input ça là ok la input ça là en dans input là nous mettez place holder ok et puis nous mettez égal et puis en dans des parenthèses nous avons que en dans input nous avons mettez par exemple écrire votre nom ok nous écrire votre nom si nous avons save là nous avons refresh là. Regardez ce qui passe pour un dans input moyen. Vous voyez qui marque écrit votre nom. Il dit mon nom ouais qui ça vous fait. Même pas mon si vous mettez souris à la regardez l'aime cliquer. Les papiers me sélectionner. Comme ça nous sont son bagage qui là en background. Il sait juste mon tour qui ça vous fait. Mais c'est pas un texte qu'il a ouais qu'on capable sélectionner qu'on capable faire un avec. Regardez immédiatement qui me parle comment c'est écrit il est facile. Depuis le blush lila. Et depuis que je écris la parole là, mais immédiatement, je tape un chiffre ou une lettre, il est effacé. Ok? Ou capable de faire ça, c'est vraiment important. Je suis capable de mettre un email là. Je vais dire, allez, ça. Écrire votre mail. Et puis là, le texte alia, je vais mettre votre sujet. Ok? N'a pas de tout attribut ça que n'a metté à nous mettre la étiquette de ouverture là et s'il pas étiquette de fermeture ou mettez la celle ça gagne OK ou tout en mettez le pas devant ça va là nous écrit si je peux avoir et puis écrit votre mail écrit votre nom donc je pense que là nous avons une belle forme qui très belle et nous fait une belle pratique ensemble le bagage que n'a même montre et HTML gomba qui est les validations qui valide par exemple l'emballe voyer un email par ça il puis avancer même après là avant email ça faut que moi assurer qu'ils sont email malheureusement que les mettez type email ça là qui ça le fait pour moi c'est par exemple d'aller voyer forme d'aller mettre nom Jailia là on d'aller mettre au lieu mettre un email mettre n'importe bagaille là on d'aller mettre et mon sujet OK qu'on a si on d'aller se send là si l'aime pas se send la voyer mais là bas monde qui le là et puis la j'avoue tout bagaille à l'inet m'pas monter l'MPC 5 qui s'est passé quand l'MPC 5 pour eux il dit que ça il pas un email parce que pour lui un email faut que les gagne au moins faut que les gagne un et comment il est signé encore un @ et puis faut que les gagne tout un point là-dedans parce que il pas joindre ça immédiatement MPC ça il est validé pour mais c'est ça il fait OK c'est ça il fait et puis tu nous parlons l'autre bagaille si email ça là, m'ta essayé voyer par exemple, ba écrire hein, et m'essayé voyer. N'a pas dit que li aller. Ouais, son dans page à li refresh là même. Li qu'étant aller li tourner là encore. Même par moto là, si m'te mettre dans dans input ça là, l'autre attribut qui est required, OK? Required ça qui ça dit visible, il dit livrer ça. Ay moi voulez faut qu'on mette. Quand là si m'save et m'ta essayé voyer faut moi sans que m'ba mettre rien là non ça qui là. Ou alors ça va le marquer. OK, n'a pas dit il dit comme ça compléter et c'est campagne. Il dit faut que moi rempli partie ça là. Le fait que il est blanche, ouais, il dit faut que moi rempli. On va le mettre même là pour nom en tout, mamoto required.
si me save me refresh c'est continuer si on essaie de voir aller là la quoi il dit faut que moi rempli et partie sa chance ça faut que moi rempli si on rempli email là on mettre un bon email et puis mettre un sujet moi pas mettre name là la quoi il pas quitter me voir aller parce que il veut que moi pas un nom faut que moi mettre dans c'est ça que fait le mettre required là il est vraiment important. Si je remplis le nom de salam, mon sujet par exemple, mon email qui est correct, je vais aller là, je vais aller, tourner. Ok? Donc, en gros, je pense que nous avons un pile de HTML et je garantis que tout ce que besoin de faire là, nous avons une capacité pour faire. Et puis après ça, nous allons passer dans CSS pour avoir un style qui est vraiment belle, agréable. Troisième page là, qui est à bas, là, je vais aller sur le bas de l'accès, ou le bas de là. About là libre maxi. OK, donc m'ta aimé que spice ça moi quitter pour faire pour quoi. OK, m'ta aimé quitter pour essayer faire n'a pas dit qu'il va gagner rien dans on capable exemple que nous faire nous mettons un pile texte et pile texte ça me parle tout comment pour faire pour créer sous pas écrire la main et puis après ça les bon bouton et bouton ça le peser sous lui n'a pas dit l'éliminer dans la page principale là que m'ta gagné avant. Donc m'quitter ça comme un devoir pour vous capable essayer faire pour quoi et sous d'avle faire tout d'avle garder si bon ou capable écrire nous sur Instagram voyez une capture d'écran pour nous et puis n'a aider chan nous capable. OK, on va nous comment pour créer texte ça par exemple si nous t'apparaît dans body ça là d'avle créer un texte qui gagne par exemple 200 lettres on va écrire Lorem Ipsum. Lorem Ipsum dans le fait que ou créer un pile texte si d'avle Lorem Ipsum. OK, et puis mettez 10 d'elle ça me fait espace et puis moi pèse le bouton tab là dans le clavier machine on pèse tab n'a regardé les créer un ensemble de mots pour moi qui gagne sous ta compte là pour gagne 10 mots ou gagne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. OK, si on doit créer avec 5 mots avec l'orem 3 quand il met 4 là même 4 mots ouais me gagne 4 si on doit écrire l'orem dans mes 200 là bas mon bagage qui gagne 200 donc là moi gagne 200 mots là donc ça me défait là avec 200. OK, ça me défait là bas là me défait avec 200 pour capable faire bien rapide et puis mettez bouton ça là pour les cliquer pour capable tourner la page principale là. Donc et moi qui tôt puis devant nous va le HTML nous va le CSS parce que là voilà mon CSS ou à comprendre HTML bien. Et après, pour qui ça, des fois, étiquette div ça, étiquette header ça, pour qui ça météo et qui importance qui vous gagne, vous pouvez travailler avec CSS. De content avec vous, pas oublier, faire pratique pour pouvoir apprendre bien. Et de content pour monter ensemble avec vous, la course à vous monter en CEO HTML. Et nous, guys, pas oublier, j'aime toujours dire, meilleure façon capable. Encouragez nous dans cette affaire, c'est les abonner avec Chanel là premièrement et puis au like vidéo et puis au partager là avec notre monde et pas oublier le partager là avec notre monde. Non seulement vous aidez nous, vous aidez Chanel là à avancer, mais aussi vous aidez l'autre monde toujours et bénéficier des contenus ça qu'on a partagé qui est capable vraiment utile. Donc pas oublier, pas négliger avant continuer avec vidéo, abonnez le bouton abonnez à qui en bas, like vidéo et puis partagez, mettez sur statut WhatsApp ou sur Facebook ou partagez l'Instagram pour l'autre monde capable bénéficier des bons gens information ça. Pas bien que moi mon pile et fait ça ou toucher qu'en pile.